Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV, j'espère que vous allez bien. Donc on est reparti pour un nouveau live. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne YouTube Nuria TV pour nous partager vos questions ainsi que vos commentaires. Il y a la grande équipe des modérateurs qui vous attend là-bas. Donc installez-vous confortablement, vous allez être bien accueillis et vraiment vous allez être mis à l'aise. Et merci à l'équipe des modos qui à chaque fois me remonte quelques questions importantes, tout ça. Donc comme ça j'arrive mieux à vous voir et donc j'arrive plus facilement à prendre les questions. Ce soir on va aller très loin. Mais avant ça, comme je fais d'habitude maintenant, je vous parle de ma petite boutique Lumière d'Étoiles qui se trouve donc sur le site que vous allez voir là juste en bas. Voilà, c'est bien calé cette fois-ci. Lumièredétoiles.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour pour ceux qui font les cadeaux de Noël en avance. Et je suis en train de vous préparer en pensant à Noël un petit coffret. Il y en aura peut-être d'autres donc qui vont suivre. Lumière d'Étoiles, des coffrets avec de la sauge. Parce qu'en ce moment, il faut faire un bon nettoyage. Et là, c'est le coffret, donc énergie positive. Vous allez voir ça d'ici 2-3 jours pour ceux qui regardent le live avec moi ce soir. Et pour les autres qui regardaient en replay, ben voilà, vous avez l'avantage peut-être d'aller directement sur le site et trouver déjà ce premier coffret en ligne. En tout cas, j'y mets tout mon cœur. À part ça, je mets ça de côté parce que ce soir, on va aller, on va faire une coupure avec ce qui se passe un petit peu autour de nous et on va voyager dans l'espace et le temps. Comme vous avez l'habitude maintenant, pour ceux qui sont sur Nuria TV depuis un petit moment, c'est ce qui se passe très souvent avec Pascal Lafargue qu'on va retrouver tout de suite sur Nuria TV pour la réincarnation, le sens caché et les effets d'une révélation. À tout de suite sur Nuria TV. Bonsoir, bonsoir Pascal, comment vous allez? Bonsoir Nora, je vais bien, je vous remercie, ravie de vous retrouver pour passer merci un petit de moment. Revenir. Alors je fais juste un petit rappel pour les nouveaux Nuréens qui arrivent tout juste et je vous remercie de vous abonner aux médias. Donc Pascal Lafargue est médium, parapsychologue, expérimentatrice, auteur et conférencière. Tout ça en même temps. Il y a des petits bips qui sonnent. Je sais pas d'où ça vient, si c'est mon téléphone, je le mets sur off. Mais voilà, si c'est de votre côté, Pascal, regardez un petit peu s'il y a votre téléphone qui non, fait des bips. Non, tout va bien, tout va bien. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup à vous de nous retrouver. Donc, je disais pour les nouveaux abonnés sur Nuria TV que vous êtes notamment donc médium, parapsychologue. Et je suis désolée, mais je vous le demande à chaque début d'émission quand vous arrivez. Mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer vite fait comment ça fonctionne pour les nouveaux? Alors là, ce soir, donc, on va parler de réincarnation. Mais de réincarnation, c'est-à-dire les effets d'une révélation et les conséquences dans notre vie actuelle. Alors, évidemment, en préparant cette émission de ce soir, j'ai fait une sélection. Parce que, en fait, imaginez depuis 30 ans, le nombre d'expériences et le temps qu'on passerait à parler de plein de choses, une soirée, une heure et demie n'y suffirait pas. Alors, lorsque j'ai commencé à révéler, je me suis rendu compte de certaines choses quand j'ai été étudiante. Hein, j'ai étudié et été testée par un parapsychologue pendant 8-9 ans même. Hein, oui. Et à partir de là, ou quand j'ai commencé à mener mes premières expériences, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, vu la somme d'informations que j'avais, parfois la précision de certaines choses, eh bien, il fallait, et j'ai pensé tout de suite à mettre en place un protocole. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais rappeler le protocole parce qu'en fait, ça va permettre aussi de comprendre tous les exemples qui vont suivre et surtout que pour vous, ça, pour ceux qui nous écoutent, ça ait du sens en fait. Alors, ah, c'est parfait. Voilà. Donc, en fait, le protocole est simple. Donc, en fait, à la suite d'une révélation, la révélation d'une vie antérieure, enfin d'une personne, d'un élève en particulier, parce que comme j'enseigne la parapsychologie, eh bien, je mène aussi des expériences en cours et j'emmène aussi avec des élèves pour continuer et aller beaucoup plus loin en termes de révélation. Donc en fait, mon protocole en termes de réincarnation se passe en 5 étapes. La première étape va être celle où je vais révéler pendant, alors si c'est en cours, c'est beaucoup plus court. Ça veut dire, alors moi, je suis plus une endurante, hein. Donc en cours, c'est des concentrations, on va dire 25-30 minutes, mais c'est déjà un maximum pour les élèves de tenir autant, mais ça va être au moins un minimum de 25-30 minutes. Donc 25-30 minutes, et puis à l'issue effectivement de ce moment de concentration que les élèves font, mais que je fais aussi avec mes élèves, eh bien, tout le monde va s'exprimer, je prendrai la parole à la fin,
et j'exprimerai ensuite ce que j'ai vu. Bien. Mais quand c'est à titre privé, c'est-à-dire qu'un élève veut travailler avec moi en privé, là, c'est 3 heures. Donc, c'est 3 heures. Donc là, effectivement, l'étape numéro une va être celle où, eh bien, je vais révéler pendant 2-3 heures, enfin plus 3 heures même. Et pour cela, eh bien, je vais brancher l'enregistrement parce que c'est important pour moi de stocker toutes mes informations sur une bande. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est parce que je parle vite et je vous parle comme je parle maintenant. Et surtout, on ne m'interrompt pas. Il n'y a que moi qui parle. Donc, je vais parler pendant un certain temps. C'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai une petite sonnette qui me dit « Poum, attention, ça fait déjà 2 heures. » Donc, il va falloir que je pense à un moment donné à pouvoir intégrer l'élève avec moi pour que l'élève puisse commencer à réagir et poser des questions. Bien. Et lors de cette étape numéro 1, donc, je demanderai également à la personne, puisqu'en fait, ce n'est pas l'élève qui parle, mais ça va être moi, de noter un maximum de choses, sachant que de toute façon, la concentration est couverte par l'enregistrement, mais en tout cas, noter un maximum de choses parce que ça sera autant de questions que l'élève me posera ensuite. Bien. Donc ça, ça va être l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 va être celle, et ça, seul l'élève pourra le faire, c'est-à-dire établir un tableau des résonances psychologiques. Et ça, c'est le docteur Jean-Pierre Schneitzer qui m'avait invité énormément à le faire, c'est-à-dire, dans un premier temps, ce que j'ai révélé dans cette vie antérieure précisément, et à côté, dans la vie actuelle, tout ce qui semble correspondre. Alors, sur plein de plans, c'est-à-dire psychologique, intellectuel, relationnel, familial, événementiel, amical, amoureux, etc., etc. Et ce travail-là, des tableaux des résonances psychologiques, seul l'élève peut le faire. Pourquoi? Parce que lui se connaît au moins et surtout, ce qui m'intéresse aussi dans ce travail, c'est que l'élève s'implique à faire aussi ce genre de travail. La troisième étape, alors la troisième étape du protocole va être celle de mener une enquête, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai des noms, des prénoms, des dates, des noms de rues, de villes, de faubourgs, des événements, des lieux, eh bien, comme Sherlock Holmes, comme une journaliste, eh bien, je vais mener une enquête. Alors, pour cela, je vais avoir besoin de me contacter, alors, des offices du tourisme, les archives, départementales, diocésaines, ou scolaires, enfin, peu importe, par rapport à ce que j'ai révélé, même militaire aussi, parfois. Oui. Donc là, je vais contacter toutes les archives qui vont correspondre à mon besoin et à ma recherche. Et puis, effectivement, les cercles d'historiens, même travailler aussi avec des historiens qui, eux, vont pouvoir m'aider aussi à retrouver certaines choses. Bien. Et donc, ça, c'est la troisième étape. C'est pour ça que, à l'issue de l'étape numéro 1, quand je demanderai, bien sûr, à l'élève de retranscrire intégralement la bande, mot pour mot. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose de littéraire, c'est de mettre mot à mot tout ce qui a été révélé et d'extraire tous les noms, les prénoms, les dates, les lieux, les noms de rue, l'époque, etc. Bien. Et ça, alors, ça ne me servira pas dans l'étape numéro 2, qui est le tableau des résonances psychologiques, mais ça va me servir pour l'étape numéro 3, qui va être donc le début de l'enquête. Bien. Et cette étape-là, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai déjà des confirmations d'informations historiques, de lieux, d'endroits, d'enquêtes, etc., que vont nous donner les archives, les offices du tourisme, les mairies, enfin tout ce qui va être en notre pouvoir, en fait, en notre possession, eh bien, à partir de là, eh bien, on va peut-être passer à l'étape numéro 4, qui va être celle de l'enquête sur place, sur les lieux. Alors, le fait d'aller sur les lieux, je n'y vais que si l'élève le souhaite, c'est pas une obligation, hein. J'y vais si l'élève le souhaite. Et à partir de là, j'y allais pour 2 raisons en enquête. La première, je me disais qu'une fois la personne, parce que pour moi, l'important, c'est d'aller jusqu'au bout, en fait, de cette histoire, et me dire qu'en fait, la personne confrontée au lieu où elle a vécu dans une de ses vies antérieures, potentiellement, pourrait déclencher, en fait, des rémanences, déclencher des souvenirs qui, peut-être, par l'émotion que cela va susciter, eh bien, obtenir des informations supplémentaires. Quant à moi,
Je me dis qu'en étant en lieu, en lien, en li sur des lieux que j'ai vus lors de mon voyage, quelques mois, un an ou 2 ans auparavant, eh bien me reconnecter à ces lieux et obtenir beaucoup plus d'informations dites paragnostiques, c'est-à-dire de clairaudience, de clairvoyance, c'est-à-dire de revisualiser des choses et d'avoir des informations complémentaires. C'est-à-dire que là, tous les sens vont fonctionner. En revanche, ce que je n'avais pas soupçonné une seule seconde, c'est qu'en allant sur les lieux, je vais rencontrer des personnes qui non seulement vont C'était magique. m'apporter les informations complémentaires et, cherry on the cake, comme on dit, Ouais. vont se trouver liées à notre histoire et à notre enquête. Et ça dépasse l'entendement. Et la cinquième étape du protocole est celle de faire la synthèse et surtout de dégager les points forts afin de comprendre et de, comment dirais-je, et de travailler sur les points faibles, mais aussi sur les points forts. Parce que vous verrez, Nora, que parfois, certaines personnes, eh bien, ont des points forts en eux et ne vont pas forcément les exploiter. Donc, un point faible, c'est bien parce que ça permet de le travailler, mais on oublie aussi les points forts. Et les C'est points forts, vrai. on mérite aussi de les travailler. C'est important aussi de les travailler. Et ça, on en parle toujours moins parce qu'on parle toujours de l'aspect un petit peu négatif qu'il faut travailler. Mais il y a des points forts et je peux vous garantir que je vous en citerai un de tête qui est juste incroyable parce qu'il va mettre en avant, par exemple, je vais vous en parler maintenant. Je pense à cet élève parce que comme ça va. Ce n'était pas prévu dans mes exemples, mais cet exemple me vient en tête en tout cas. Et en fait, alors évidemment, on amorce un petit peu l'aspect de l'impact sur notre vie présente, mais je vais le dire tout de suite parce que je ne l'avais pas préparé et j'ai peur d'oublier. Je me souviens d'avoir révélé une vie antérieure à une de mes élèves où elle était artiste, elle peignait, elle sculptait. C'était au 19e siècle. J'ai un prénom, j'ai pas de nom, mais en fait, j'ai une période, j'ai un contexte, j'ai pas mal d'informations. Et bien évidemment, comme tout est enregistré, tout ce que je dis, on peut l'écouter sur une bande. Ça veut dire que j'ai aucun problème avec ça. On peut aller écouter la bande. Voilà. Donc, l'élève, elle, va reprendre sa bande parce que je garde un double et l'élève a un double, au cas où il y aurait une perte ou une bande endommagée, parce que c'est trop précieux les informations qui sont dessus. Et en fait, elle va retranscrire la bande et elle va dégager, comme j'ai expliqué, lors du protocole à l'étape numéro 1. Bien. Elle va commencer à enquêter. Alors, elle va aller sur Internet, elle va essayer de chercher des choses à droite, à gauche. Elle va mettre plusieurs jours, elle va y passer plusieurs nuits, parce que ce n'était pas un personnage très connu. Mais elle va la retrouver, cette femme. Elle va la retrouver. Donc, moi, je suis toujours étonnée à chaque fois. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai toujours une grande admiration et en même temps, je suis aussi étonnée de ça. Et en fait, cette femme, donc, qui a une vie plutôt compliquée, difficile, etc., en fait, elle va m'avouer, mais bien après, que, alors, cette femme n'est pas du tout dans cette vie, dans la peinture ou la sculpture, de ce que je savais, elle avait un poste de secrétaire de direction, je ne vais pas dire dans quelle entreprise, mais dans une grande entreprise française. Donc, voilà. Et il se trouve qu'elle va m'avouer plus tard qu'en fait, elle prend des cours de peinture et de sculpture. Et elle me montre, elle m'amène ce qu'elle fait. Et là, je suis, mais scotchée, parce que j'ignorais totalement que c'était une passion cachée et secrète en elle. Et en Wow. fait, au regard de cette révélation, eh bien, elle a totalement assumé ça. Et ça même était très loin, puisque cette femme a exposé et elle a gagné des prix. Ça lui a redonné, en fait, ça lui a donné confiance en elle. Le fait de En savoir qu'elle fait, le faisait avant, voilà, ça l'a voilà. Et en rassurée, elle fait, s'est dit, je peux y aller. il y avait autre chose aussi d'important, c'est qu'il fallait qu'elle répare aussi certaines choses et surtout qu'elle aille au bout d'un processus que cette femme au 19e siècle avait laissé en plan. Donc, l'intérêt dans cette vie-ci, c'est qu'en fait, comme, et vous allez voir le processus comme c'est intéressant, parce que dans cette vie passée, en fait, elle est morte, je crois de tête qu'elle est morte, tragiquement. Elle n'est pas allée au bout de certaines choses. Et dans cette vie-ci, quand elle s'est incarnée, elle le faisait secrètement, mais elle ne pouvait pas le faire de façon officielle parce que
dans son inconscient, ça correspondait à quelque chose d'inabouti qui peut-être avait mal fini. Donc, elle s'en Ah était oui. éloignée. Vous suivez le raisonnement? Oui. Mais le fait, parce qu'évidemment, je vous dis ça de façon lapidaire, mais il faut recontextualiser toute l'enquête en elle-même et toute la révélation de cette femme. Et en fait, le fait de se dire finalement, il faut que j'assume ça parce que j'ai conscience qu'il faut que je termine quelque chose, du coup, elle répare son âme parce qu'elle expose, elle obtient un prix, mais elle répare aussi l'âme de cette femme qui n'a pas pu aboutir et aller jusqu'au bout. Vous me suivez? Oui, Donc, en fait, l'effet génial. est un petit peu boomerang parce que elle, du coup, elle va vraiment assumer qui elle est et ce qu'elle fait. Et surtout, franchement, ce qu'elle faisait, elle a un talent incroyable. En plus, c'est une femme très discrète, etc. Donc, elle avait un talent fou. Moi, quand j'ai vu ce qu'elle peignait et ce qu'elle sculptait, franchement, je ne serais je sais pas, j'ai trouvé ça totalement inouï. Et le fait d'assumer ça, finalement, la récompense qu'elle a par le biais d'un prix, lui permet elle aussi de s'affranchir d'une forme d'illégitimité dans son domaine, mais elle va aller gagner cette légitimité en assumant son talent. Vous suivez? C'est magnifique. Voilà. C'est Donc c'est magnifique. pour Donc ça ça peut que... vraiment aider. Voilà. Donc, mais vous allez voir à quel point, et vous allez voir où je vais vous emmener avec tout ça. Parce qu'en fait, donc c'est pour ça que quand je dis travailler sur les points forts, elle, son point fort, c'était le côté artiste qui a été rentré dans cette vie-ci, elle le faisait en amateur, en fait, hein. C'était un petit peu son hobby en dehors du travail et des cours qu'elle suivait. Mais en fait, d'un seul coup, c'est devenu officiel. Et du coup, ça change tout. Donc là, on a travaillé sur un point fort. Parce qu'il ne faut pas parler que des points faibles. Il faut aussi parler des points forts. Parce qu'un point fort non résolu est aussi un drame personnel. Quelqu'un qui ne va pas au bout de son rêve ou au bout d'une passion. Donc c'est pour ça que je n'oublie pas les deux, les points forts et les points faibles. Voilà. Et donc cette Très bien cinquième dit. étape du protocole, il est aussi important parce que parce qu'il va mettre en exergue justement ces deux aspects-là. Voilà. Et d'ailleurs, ne pas travailler ces points-là, c'est ce qui va créer aussi chez certaines personnes ce que j'appelle de la frustration, parce qu'il y a quelque chose d'inaccompli. Et ce qui est inaccompli se retrouve karmiquement, puisque je peux le constater en révélant une voire des vies antérieures à mes élèves, c'est-à-dire pas qu'une, mais parfois plusieurs, eh bien je peux aussi le constater. Et je me dis, boum, 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 ça n'a pas été réglé. Donc là, on s'arrête sur ce sujet-là et on va le travailler parce que pour éviter justement que ça se répète encore à l'infini. Voilà, j'espère avoir été claire sur la présentation et Parfait. surtout le protocole, parce que ce protocole, alors vous imaginez Nora que ça prend du temps, ça prend énormément de temps, c'est une raison pour laquelle je ne peux pas avoir de clientèle ni m'ouvrir au public, je le redis à chaque fois, parce que je sais que je reçois des mails souvent des gens qui souhaiteraient me consulter, mais je ne peux pas, je ne peux pas parce que ce travail d'enquête, c'est long, c'est laborieux. C'est un travail que fait l'élève parce que quand on veut connaître une de ses vies antérieures, il faut que ça ait du sens. Et surtout, il faut l'exploiter, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Pourquoi on a vu ça? Qu'est-ce que l'élève doit comprendre? Et quand on doit partir sur le terrain, c'est monter une équipe, une enquête, c'est un travail, ça s'organise, ça ne se fait pas comme ça. Donc en fait, tout ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas compatible avec une clientèle ou recevoir des personnes en dehors de mes élèves. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que c'est un travail colossal. Et comme des fois on m'écrit, on ne comprend pas que je ne le fasse pas, au moins j'ai donné une explication. Faut comprendre l'importance et le travail colossal que c'est. Voilà. Oui, Donc et voilà. on a besoin donc de personnes comme vous qui ont le temps d'aller sur le terrain. Si vous faisiez ça avec tout le monde, vous n'auriez jamais le temps de vérifier. Et d'ailleurs, j'avais une question de Giovanni, justement. Comment en être sûr que les vies antérieures existent? Comment est-ce qu'on peut en être sûr? Franchement, j'ai envie d'inviter Giovanni à retrouver les ouvrages de Pascal Lafargue. Il y en a, donc vous allez les trouver sur le site Nuria TV sous la vidéo, parce que vous allez avoir toute son enquête. Mais c'est vrai que vous aussi, au départ, Pascal, comment vous avez pu vous dire, ben, s'il y a vraiment quelque chose de ce que je peux voir, comment en être sûr que ça a vraiment existé? Bah, c'est pour ça que j'enquête, c'est pour ça que j'enquête, parce que vous allez voir,
sur quoi je vais vous amener en fait. Génial. Et c'est là où, alors évidemment, moi au début, j'expérimente, je cherche, je suis une chercheuse, j'expérimente beaucoup. Et en fait, il faut savoir que maintenant j'ai un background de 30 années d'enquête et de travail. Donc évidemment, je me sens légitime dans mes propos et dans ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est 30 ans de travail, de recherche, de voyage, d'enquête, de terrain, de rencontres, de gens et de mettre en exergue. Et pour répondre à Giovanni, le tableau des résonances, déjà, ça commence par le tableau des résonances psychologiques. Et l'enquête va amener, je dirais, un plus ajouté, parce que il y a l'enquête, mais il y a ce qui se passe en enquête. Oui, et en même temps, je rajouterais quelque chose de très terre à terre, mais pendant le développement de 3 heures que vous allez faire, des fois, vous avez des noms de rues qui peuvent être vérifiés, des noms de personnes ou des morceaux de noms, et on peut vérifier, revoir l'arbre généalogique et le retrouver. Donc comme la dame dont vous nous avez parlé, qui est artiste et qui a retrouvé donc l'artiste qu'elle était avant, c'était difficile, comme Voilà. vous l'aviez dit, parce que c'était pas quelqu'un de très célèbre à l'époque et qui n'a pas pu faire évoluer sa carrière, sa vie s'est arrêtée trop tôt, elle a quand même réussi à la retrouver, donc elle a bien existé. Donc on part d'une C'est vision ça. d'image, de C'est son, pas une vision. c'est C'est pas une pas une vision, vision. oui, c'est. Alors, je vais expliquer, Nora, c'est Oui, pas je une veux bien. vision. En fait, quand je suis concentrée, je suis physiquement là, comme je suis devant vous, en fait, mais mon double, lui, il voyage. En Et il est fait, il faut là-bas, dans ce comprendre que temps-là, dans je ce suis moment-là. dans le temps, je suis dans l'époque. Ah Je ouais. vois les gens bouger, parler. C'est un voyage olfactif, visuel, auditif, je suis dans l'époque. Et c'est pour ça qu'en étant dans l'époque, en communiquant avec quelqu'un, en décrivant son costume, l'endroit où je suis, en lisant une phrase sur un livre ou un texte, en traduisant des conversations entre deux, trois personnes, et j'ai des bandes qui sont pleines de ça, je suis physiquement devant vous, mais mon double, lui, il voyage dans le passé. Et Et oui, c'est encore plus énorme. et C'est oui, et encore oui, plus et en énorme. fait. Je ne savais pas que c'était possible. Quand ça m'est arrivé la première fois, la première expérience que j'ai menée, j'ignorais absolument. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de vivre quoi? J'ignorais. Et à chaque fois, ça recommençait en fait. L'expérience, et je me suis rendu compte de ça. Et en fait, ça permet aussi de comprendre quand je dis, quand je parle pendant 2 heures non-stop, c'est parce qu'imaginez, je rencontre des gens, je vois des choses, donc je décris ce que je vois en fait. Complètement. Et c'est pour ça que ça va vite, parce que des fois l'information va vite. Et des fois je reçois même tellement, j'entends tellement de choses que des fois j'arrive même plus à entendre tout le monde. Je peux aller jusqu'à deux ou trois personnes à écouter, mais je peux pas aller au-delà parce que des fois je peux pas, c'est trop compliqué. Donc en fait, faut bien comprendre que c'est vraiment un voyage que je fais. D'ailleurs, quand je reviens de ce voyage, je suis dans un état d'épuisement absolu. Et je mets un certain temps à récupérer. Là, par exemple, hier, j'ai fait un voyage hier avec une de mes élèves. Mais même encore ce soir, j'étais pas encore remise. Ça m'avait mais rincé, mais rincé. Donc, il y a que ce soir, avant l'émission, où je me suis calée. Mais tellement c'était puissant, c'était fort. J'ai mis, ça m'a hier soir, bon, j'ai bien dormi, mais ce matin, toute la journée, je fais, ouah, je suis encore habitée par ça. Donc, il y a un moment donné, il faut couper, mais on sent que des fois, c'est très, très prenant en termes d'énergie. Mais vraiment, voilà. J'essaie d'expliquer pour qu'on comprenne au mieux, hein, voilà, ce qui se passe. Donc, ce que je fais, en fait, faut bien comprendre aussi qu'une autre raison pour laquelle je ne peux pas avoir de clientèle ni m'ouvrir, c'est qu'en fait, quand je suis concentrée, c'est l'équivalent d'un marathon. Et un marathon, vous ne pouvez pas le courir tous les jours. Et je ne peux pas faire ça tous les jours. Ben C'est non. vrai que c'est tellement Mais non. intense Mais en et. fait, c'est tellement atypique, Nora. C'est tellement atypique. Mes élèves le savent, ils m'ont vu. Mais c'est tellement atypique que je ne peux pas faire ça plusieurs fois par jour. Et je ne peux pas faire ça tous les jours non plus. Parce que j'ai besoin de récupérer. C'est comme un effort sportif, en fait. Voilà. Je parle jamais de ça, en fait. Mais là, l'occasion s'y prête. C'est la question, et merci Giovanni d'avoir posé cette question, parce que du coup, faut bien comprendre comment ça fonctionne. En fait, dans mon cas, voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci énormément. Et j'avais juste, avant que vous poursuiviez encore plus loin, il y a Fatia, par exemple, qui nous dit,
l'impression donc que l'on connaît déjà la, des fois on a l'impression que l'on connaît déjà la personne, une attraction irrésistible et évidente. C'est en lien aussi avec ce qui pourrait être des personnes qu'on a rencontrées dans d'autres vies, avec lesquelles on se sent très proche tout de suite. Alors, il y a deux cas de figure, Nora, et je réponds à, je n'ai pas entendu À le prénom, Fatia. Fatia. En fait, il y a deux possibilités. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous vous sentez irrésistiblement attiré, il y a deux possibilités. Soit la personne a un lien karmique avec vous et il y a eu potentiellement, je dis bien potentiellement, une rencontre dans une vie antérieure, et là, du coup, la rencontre fait que ça fait mouche, en fait, parce que c'est de l'ordre de la certitude. Mais ce qu'il peut se passer aussi, c'est que vous soyez aussi irrésistiblement attiré par une personne, par ce qu'elle dégage, par ce qu'elle véhicule, sauf que dans ce cas de figure-là, c'est ce qu'elle dégage et ce qu'elle véhicule qui parle à votre âme, parce que l'énergie qu'elle a est similaire à quelque chose qui vous rappelle des souvenirs karmiques. Sauf que la personne en elle-même n'a pas de lien avec vous. C'est juste ce qu'elle véhicule qui parle à votre âme. Vous voyez la différence ? D'accord, je vois la différence. C'est voilà. Subtil tout ça. Mais... C'est très subtil, mais il faut en tenir compte parce que depuis 30 ans que je travaille sur le sujet, j'y ai été confrontée. Et en fin de compte, c'est parce qu'il y a une mémoire d'une certaine énergie, d'une personne qu'on a connue, qui est d'un seul coup très similaire avec la personne qui nous attire en fait. Donc voilà, c'est juste, après c'est un travail qui permet de faire la différence des choses. Hein. Okay. Voilà, c'est un travail et qui va permettre à un moment donné de dire, voilà, c'est vraiment karmique ou c'est ce qu'elle dégage qui est karmique et qui vous a parlé. Voilà. D'accord. Et allez, dernière question avant de poursuivre. C'est des basiques en fait pour le début d'émission. Non, ça mais tombe au bien. Contraire. Donc ils vont vous demander, est-ce qu'on choisit nos vies? Ah, alors là, c'est une longue réponse. Alors, merci Sabah, on va faire ça sur une prochaine émission. Non mais c'est intéressant les questions. Alors c'est beaucoup trop réducteur de dire on choisit sa vie. En fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors je vais essayer de faire très, très concret, très succinct, concret, succinct en même temps. Quand on parle de réincarnation, il y a une chose qu'on doit connaître, c'est l'entre-deux-vies. L'entre-deux-vies, c'est là où l'âme va après sa fin de vie terrestre. Elle va dans l'entre-deux-vies. Et j'ai toujours dit que l'entre-deux-vies ne peut être dissocié de la réincarnation, c'est-à-dire de la vie terrestre. Pourquoi ? Parce que quand l'âme a fini son parcours terrestre, l'âme part dans l'entre-deux-vies. Et dans l'entre-deux-vies, il se passe des choses. Bien. Avant que l'âme se réincarne et prenne un nouveau costume. Bien. Il y a, dans un livre que j'ai écrit il y a 4-5 ans, qui s'appelle L'entre-deux-vies révélées, je parle d'une étape qui est l'étape numéro 4. Alors évidemment, quand on ne connaît pas tout le principe, ça paraît compliqué. L'étape numéro 4 est l'étape de la préparation, que j'ai appelée l'étape de la préparation. D'ailleurs, j'ai fait un beau tableau. C'est l'étape préparatoire où l'âme va se préparer à son incarnation. Et en fait, cette étape de la préparation n'est que la conséquence du travail effectué dans l'entre-deux-vies. Dans l'entre-deux-vies, l'âme va être confrontée à quoi ? Des rencontres, des introspections, des enseignements, des révélations, des initiations, etc., etc. Mais tout cela, ce sont des moments que l'âme va provoquer, l'âme va vouloir, parce qu'elle a envie de réparer, de travailler ou d'explorer certaines choses qui ont été peut-être pour elle une souffrance, une douleur ou un handicap. Fort de tout ça, à cette étape numéro 4, ce qu'on va lui proposer, parce que j'ose pas aller trop loin, ce qu'on va lui proposer n'est que la conséquence du souhait qu'elle a voulu pendant l'entre-deux-vies de travailler. Donc son incarnation à venir ne sera que la conséquence de ce qu'elle a voulu, l'âme, du travail qu'a effectué l'âme. Et donc, c'est pas qu'elle choisit sa famille, parce qu'en fin de compte, j'entends dire on choisit son incarnation. Alors, si on choisissait son incarnation ou sa famille, on se choisirait plutôt des vies génial, super, aux petits oignons, où tout irait bien, on va être franc. Mais parfois, il y a justement à cette étape numéro 4 que j'ai énormément explorée, parfois de dire, j'ai pas du tout envie de revenir, ça me plaît pas. Mais en fait, c'est pas quelqu'un qui décide pour vous. C'est la conséquence de ce que vous avez voulu. Et c'est ça qui va générer, justement, cette incarnation. Donc quand vous vous incarnez,
il y a deux possibilités encore, enfin deux ou même plusieurs. Soit il y a un lien karmique avec la mère, ou avec le père, ou avec les parents, des frères, des sœurs ou des membres de la famille, ou pas du tout. En revanche, ce qui est toujours karmique, c'est la structure dans laquelle vous arrivez. Et ça, c'est toujours karmique. Parce que j'ai souvent... Enfin, ça, c'est des choses dont je n'ai jamais parlé en émission depuis des années. Depuis des années, j'enquête sur l'histoire et sur des personnages historiques. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en étudiant certains personnages, la famille dans laquelle ils arrivaient avait toujours une consonance d'une structure karmique. Et ça, c'est fatal à chaque fois. Donc la structure dans laquelle vous arrivez, elle, elle est toujours karmique. Ça aura toujours du sens. Wow. Est-ce que je suis claire dans mon explication ? Très voilà. Claire. Merci beaucoup, voilà. Saba, pour ta question. Et je pense, Pascal, qu'il va falloir qu'on s'organise une petite émission sur le livre « L'entre-deux-vies révélées ». Qu'on révèle quelques petites parties. Merci beaucoup, Saba. Tu viens de créer une émission avec une question. Ça, c'est le travail d'équipe sur Nuria TV. Bon, allez, on s'arrête là. Pour les questions, parce que vous avez beaucoup de choses à nous expliquer, notamment les similitudes d'une vie à l'autre, voilà, les révélations. Il y a plein de choses, je ne vous en dis pas plus, les amis. Voilà, je sais ce qui va arriver et ça va être passionnant. Donc, je vais vous mettre en plein écran et je vais vous laisser développer donc, ce que vous avez pu révéler, finalement, au fil de vos enquêtes, aux personnes que vous avez côtoyées. Alors, un petit peu avant, par contre, ce dont je vais parler, c'est en fait ce qui est important, c'est de constater d'une vie à l'autre ce que j'ai pu trouver au fur et à mesure du temps. Alors la liste n'est pas exhaustive, hein, elle pourrait être plus longue que ça, Alors, déjà, d'une vie à l'autre, je vais constater des marques, et ça va être le préambule de ce qui va suivre justement, des marques corporelles identiques, des épreuves identiques. Parfois, la rencontre de mêmes personnes, on en parlait tout à l'heure. Les mêmes lieux d'habitation, des schémas identiques sur différents aspects, je l'ai évoqué tout à l'heure également. Des douleurs physiques identiques, parfois les mêmes problèmes de santé, mais aussi le même profil psychologique, les mêmes noms ou prénoms ou noms de famille. Alors là, c'est fort parce que des personnes ayant été des liens dans une vie karmique, et qui, dans cette vie, se retrouve couché sur votre arbre généalogique. C'est énorme, c'est énorme. Des passions identiques, parfois le même métier, se retrouver face à un même conflit, des goûts vestimentaires identiques, effectuer le même voyage et dans les mêmes conditions, et vous allez voir, je vais avoir des exemples aussi là-dessus, se retrouver face à des mêmes peurs, des mêmes phobies, revivre le même accident, découvrir les mêmes appartenances, prendre les mêmes décisions, les mêmes axes ou le même chemin, refaire la même chose, reprendre le même engagement, la même énergie ou le même courage, la même volonté de réparer et la même force mentale. Et ça, eh bien, c'est justement grâce au protocole qu'on va pouvoir pousser le bouchon. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que parfois c'est compliqué, parce qu'on sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des villes qui ont été extrêmement bombardées, et donc il y a des archives qui ont disparu. Et je me souviens d'une époque, quand je suis allée enquêter à Reims, Reims avait été très touchée pendant la Seconde Guerre, et donc il y avait des archives, malheureusement, voilà, qui avaient disparu. Donc des fois, je ne vous cache pas que c'est compliqué. En fait, ce qui va permettre de retrouver, c'est la pertinence et la précision des noms que je vais avoir, des rues ou des villes, etc. Et c'est grâce à ça aussi qu'on va retrouver. Et aussi, lorsque je suis sur le lieu, peu importe le pays où je suis en enquête, quand je suis sur le lieu, c'est d'être d'un seul coup, comment dirais-je, me reconnecter et obtenir des informations. Donc je vais savoir qu'il faut tourner à droite, à gauche, qu'il faut aller là, qu'il faut sonner à cette porte. Ça m'est arrivé en Italie, il y a un exemple. Attendez, je vous le dis tout de suite, parce que là, c'est énorme, faut que je le dise. Et vous voyez, alors d'ailleurs, c'était lors de l'enquête de Mathilde Toscane. Oui. J'avais bien avancé, hein, ça faisait déjà 6-7 ans que j'enquêtais. Et on retourne une énième fois en Italie, parce que j'ai été dans 4-5 pays différents pour cette enquête. Donc, je retourne en Italie et je suis à Florence. Et en fait...
Florence, j'y vais, mais cette fois-ci, je veux m'intéresser à un personnage qui est Dante, Dante Alighieri. Et en fait, ce personnage Dante, sur les voyages précédents, il croisait tout le temps ma route, Dante, Dante, Dante. Et un jour, je me suis dit, mais il faut que je comprenne pourquoi il croise ma route à ce point-là. Et donc, à Florence, sur un ultime voyage, nous entrons dans la maison de Dante afin de la visiter. Donc, c'est sur plusieurs niveaux. Et là, je m'assois, je me concentre. Mais je vais retenir, je vais juste vous parler de ça, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. En fait, j'entends, Dante n'a pas vécu dans cette maison. C'est la maison qui est juste derrière. La maison qu'on est en train de visiter n'est pas la vraie maison de Dante. La sienne, elle est juste derrière. Donc là, j'obtiens une information. Et moi, je dis, ben écoutez, je veux vraiment en savoir plus. Et là, j'entends, quand vous allez sortir de la maison, vous allez tourner à gauche. À gauche, il y aura un passage, un peu en arc. Et au-dessus de cet arc, il y aura une croix. Vous allez aller jusque sous ce passage, et là, vous vous arrêterez. Donc, je finis la concentration, je sors, et là, je dis au groupe, je dis, écoutez, voilà, je débriefe. J'ai même des images vidéo de ça. Et oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant les enquêtes, on filme, on enregistre, hein. Donc, Parfait. rien à dire. Oui. Et donc, je répète ça, et là, il me dit, bah, Pascal, le groupe me dit, on fait quoi? Bah, je fais, on y va. Et Eliane, une des personnes du groupe, me suit. Et donc, il y a bien l'arche, il y a la croix au-dessus, j'y vais. Et là, sous cette arche, je vois une porte, deux, trois marches. Et je dis à Eliane, on monte les deux, trois marches, je reste collée à la porte. Et j'ai dit, on attend. Et Eliane, poliment, me fait, mais on attend quoi? J'ai dit, j'en sais rien, mais on attend. C'est terrible ce que je vais dire. J'en sais rien, mais on attend. Et tout le monde est correct parce qu'ils m'écoutent, ils me disent, bon, voilà. Et là, même pas, allez, même pas 5 minutes, 3, 4 minutes. Un homme arrive. Un homme arrive. Oui. Introduit une clé dans une porte. Il se retourne comme ça et il me regarde. Et là, allez savoir pourquoi. Alors là, du coup, les regards se croisent. Et là, je fais, c'est lui. J'attrape Eliane par la main. Et parce qu'elle parle très bien italien, moi, pas très bien, mais je le comprends. Alors, étonnamment, je le comprends, mais je le parle mal. Mais bon. On arrive vers cet homme et je lui dis, monsieur, voilà, est-ce que vous pourriez m'aider? Je cherche sur Dante Alighieri, etc. Et ce monsieur me regarde, il me dit, entrez, le groupe arrive. Et en fait, cet homme, on va, écoutez, tout est enregistré. Il va se passer quelque chose d'incroyable avec cet homme. Mais quand je vous dis incroyable, c'est plus qu'incroyable. Parce qu'il va nous faire des révélations totalement inouïes. On va rester plus d'une heure avec lui. Et à l'issue de ça, alors j'en dis pas trop parce que je veux juste aller à l'exemple que je voulais citer. On va se quitter. Il va me dédicacer 2 livres et m'offrir une carte. Et moi, dans ma tête, enquêtant sur Mathilde et voulant comprendre avec Dante, je me dis, je comprends qui est cet homme. Je sais pourquoi il m'a regardé comme ça. Et je lui demande de m'écrire un mot. Et je me dis intérieurement, et je le dis au groupe, s'il m'écrit ce mot-là sur le mot que je lui ai demandé d'écrire sur le livre, c'est que c'est une certitude, c'est ça. Vous n'allez pas me croire. Il ne va pas me l'écrire une fois, il va me l'écrire 2 fois. Et là, Sur j'ai le plus aucun livre et doute. sur la carte. Et sur la carte qu'il va m'offrir. Et Oh ce qui là là. m'écrit, c'est pas banal. Ben d'ailleurs, on peut le retrouver dans le livre parce que je l'ai mis. Et quand on va sortir, on va se dire au revoir, on ressort. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais j'ai complètement lui oublié de lui demander par rapport à Dante. Eh bien, vous savez quoi? Il ressort du presbytère, alors que je ne lui ai pas posé. Enfin, je vais savoir que c'était une annexe du presbytère, parce que d'extérieur, vous ne le savez pas. Hein. Eh bien, il ressort, il nous rejoint, il vient me chercher, il me dit, j'ai oublié de vous dire quelque chose. La maison de Dante qui est là, c'est pas la vraie. Je vais vous emmener où il était. Eh bien, c'était derrière. Wow, C'était derrière. J'avais raison. Eh bien, vous voyez, j'en ai des frissons même en vous le racontant, parce qu'en fait, quand on va sur les effets du. Parce que là, j'enquêtais sur Mathilde. Alors peut-être que je peux prendre un peu de temps pour terminer. Je sais que je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui, ça va être impossible, hein, parce que du Oui. coup, je dis des choses qui n'étaient pas prévues. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est énorme. En fait, alors que cet homme n'a pas entendu la question, parce qu'il était rentré, il ressort pour me la donner. Comme si d'inconscient à inconscient,
il s'est passé quelque chose. C'est d'ailleurs, c'est même pas Oui. comme si. Il s'est passé quelque chose d'inconscient, inconscient. Et donc, il va nous emmener, donc c'est bien la maison derrière. Et en fait, dans Taligiri, je me suis dit, mais pourquoi il est autant dans ma vie et quel lien il a avec Mathilda des Toscanes, puisque Mathilde de Toscane est née en 1046, elle va mourir en 1115. Oh là là, je viens de réaliser quelque chose. Oui. Excusez-moi, je viens. Non, non, excusez-moi, c'est en vous le disant, je viens de réaliser quelque chose. Je vais me le noter. Entre Attendez. 1046 et 1115? Oui, non, mais c'est quand j'ai dit 1115. Voilà, non, non, mais vous inquiétez pas, D'accord. c'est que je viens de percuter en direct quelque chose que je n'avais pas percuté depuis 10 ans, mais je viens de le Bah, très comprendre. bien. Pardonnez-moi, voilà, je le Bah, note. allez-y, avec Et plaisir. voilà. Et en fait, il se trouve que quelques temps plus tard, un élève va m'offrir un livre, un ultime livre sur Mathilde de Toscane qui venait de sortir. Je crois qu'il est sorti en 2016 ou 2017, peut-être 2018 même, ou 2017, parce qu'on est retourné en Italie. Et ce livre, donc, je vais l'emmener lors d'un ultime voyage encore. Eh bien, je vais découvrir, et pour moi, c'est le meilleur livre sur Mathilde de Toscane, hein, parce qu'il y en a très peu qui ont été écrits, mais celui-là est très bien argumenté. Eh bien, figurez-vous que Dante Alighieri, c'est énorme. Dante Alighieri, qui donc, comme je vous ai dit, Mathilde de Toscane, c'est milieu du 11e, et elle meurt en 1115, début du 12e siècle. Oui. Et Dante Alighieri, c'est plus tard, hein, c'est le 13e siècle. Hein. Donc, ce n'est pas du tout le même siècle. Hein. Eh bien, il se trouve que Dante Alighieri allait souvent se recueillir sur la tombe de Mathilde de Toscane. Parce qu'en fait, c'est une femme qui l'inspirait, qui l'inspirait. Wow. Et le nom qu'il aurait donné dans la Divine Comédie, dans son livre La Divine Comédie, une des œuvres majeures du Moyen-Âge, hein, qui a été traduite en plusieurs langues, eh bien, il y a cette femme, c'est Isabelle Portinari, en fait, Portinari, oui, c'est ça, qui est un peu son Isabelle, où il va traverser toutes les strates du Purgatore jusqu'au plan supralumineux pour retrouver son Isabelle, eh bien, non, pardon, pas Isabelle, mais Béatrice, pardon, eh bien, il aurait donné ce nom-là à Béatrice Portinari, pas Isabelle, mais Béatrice, pardonnez-moi, en lien avec la mère, donc, de Mathilde de Toscane. Donc, il y aurait toute une histoire cachée où Mathilde de Toscane l'aurait beaucoup influencée. Donc, vous voyez, et je sais que, du coup, j'ai connu Dante Alighieri plus tard. Voilà ce que je voulais dire. Donc, en fait, pour vous dire que quand on rencontre des personnes, là, on est dans le cadre d'une rencontre, alors pour le coup, avec cet homme karmique, puisque je l'ai identifié, Oui. et je saurai beaucoup plus tard, mais en rentrant en France et beaucoup plus tard, puisque je le découvrirai en 2020 quand j'écris Mathilde, le livre sur les pas de Mathilde de Toscane, ben, je vais découvrir que s'il y avait bien une seule personne à Florence qu'il fallait rencontrer, c'était lui, parce que c'est le spécialiste à Florence et en Italie de Dante Alighieri. Waouh. Waouh. Et en fait, Nora, si vous avez entendu mon discours, je sors de la maison de Dante, on me dit où elle est, je me colle à une porte, je ne sais pas ce qui va se passer et j'attends. En 5 minutes de temps, il arrive, il nous reçoit, il nous accueille et il me délivre énormément d'informations. Ouais. Regardez en termes de timing, c'est juste improbable, improbable. C'est pour ça qu'on filme, on enregistre, on prend des photos et que mon équipe est témoin de ça. C'est comme Voilà. dit Gandalf sur le chat, Gandalf le Blanc qui nous dit c'est énorme. Voilà, Oui. des fois quand on vous écoute, on est sans voix. On est sans voix parce qu'il y a trop de Oui. synchronicité, le hasard n'existe clairement pas. Là, on vous guide, vous entendez ce message, vous sortez, vous allez vous mettre sous l'arche, on vous dit patientez, vous patientez, et on vous demande pourquoi. Bah, vous savez pas quoi répondre, mais en gros, je bouge pas. Voilà, Voilà, c'est je vais ça. voir, on C'est verra ça. bien. Et il se passe effectivement quelque chose, et quelque chose d'énorme. Vous l'auriez voulu que vous l'auriez pas cru. Et finalement, c'est arrivé. Et ça répond à plein de questions, autant Oui. sur Mathilde de Toscane que sur Dante, et ça se rejoint. Voilà, c'est une rencontre avec plein de réponses Oui, sur et en différents fait, sujets. ce qui est important, c'est qu'en fait, pour moi, il y a vraiment un grand chef d'orchestre qui organise bien les choses parce que si intellectuellement je commence à réfléchir, j'attends, j'y vais même pas et j'attends pas. Bah oui. C'est-à-dire que là, vous êtes prise dans quelque chose
vous écoutez ce qu'on vous a dit, vous faites confiance à cette voix, à cette guidance, et vous réfléchissez pas, vous le faites. Et heureusement, quelque part, parce que si on réfléchit, je le fais pas et j'attends pas sous le portail. Parce que je sais pas, quand je me mets à attendre, je sais pas du tout ce qui va se passer. Et c'est là où justement où c'est intéressant. Faire confiance à ce qu'on entend, à ce qu'on voit. Et heureusement que je fais confiance parce que c'est ce qui va me permettre de vivre plein de choses, en fait. Alors, je vais continuer. Donc, en fait, j'expliquais toutes ces notions de résonance. Et puis, et là, on va commencer à rentrer, vous allez voir, dans quelque chose de dingue. C'est en fait, je ne dois pas dire ça, de quelque chose d'incroyable. Voilà. Et Serge, en fait... qui vous dit un vrai plaisir d'écouter Pascal. On est tous, toutes oui. Ah, bah, merci, ça me touche beaucoup. Et en fait, il va y avoir, quand je révèle des vies, enfin, parce qu'on parle de réincarnation, il va y avoir ce que j'appelle des vies libératrices, des vies essentielles, des vies clés de voûte, des vies sources, des vies récurrentes. Parce que, avec le temps, j'ai réussi à mettre des mots sur toutes ces vies, en fait. Alors, évidemment, quand on tombe sur une vie clé de voûte, alors là, c'est une voie royale. Parce que de là, ça me crée une émotion de dire ça, parce que de là, il va se passer plein de choses. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs à une personne, mais je vais en parler parce que je vais la citer comme oui, exemple. On aimerait bien savoir ce que c'est exactement pour vous quand vous dites une vie clé de voûte. Alors, je vais m'arrêter. Alors, du coup, je vais le faire. Voilà. Alors, une vie clé de voûte, en fait, il y a une de mes élèves. Alors, je suis autorisée à des fois, je donne des mauvais prénoms, mais je le fais exprès hein, pour protéger les Parfait. Gens et leur anonymat. Hein. Donc, en fait, cette personne, je sais que je peux dire son nom parce qu'on a fait des émissions ensemble et elle a témoigné, c'est Valérie. En fait, Valérie, une des premières vies antérieures que je vais lui révéler, je vais être propulsée à la Renaissance au XVe siècle. Et là, je suis au XVe siècle, je suis à Florence. Et donc, je vais faire très court, hein, parce que je ne peux pas… Voilà, 3 heures, il faut que je le réduise en 4-5 minutes. Et en fait, je vais voir cette femme, donc de façon très lapidaire, je vous le raconte, qui va, je la vois presque un peu à moitié habillée, allongée, debout, assise, posée pour un peintre. Elle est d'une grande beauté, mais je vois que cette femme a une grande souffrance. Elle souffre de problèmes pulmonaires. Je vois qu'elle va mourir très jeune, hein, 24 ans, 23 ou 24 ans, d'un problème de phtisie ou de problème respiratoire, enfin, extrêmement jeune. Et par contre, à un moment donné, donc je décris sa vie, etc. Et à un moment donné, j'entends que l'homme qui l'a peint s'appelle Botticelli. Et c'est grâce à Botticelli. Parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que son prénom commence par la lettre S. Alors, des fois, j'ai les noms de prénoms, les noms de rue, les numéros, j'ai tout. Et j'en parlais récemment avec une de mes élèves, et parfois, je n'ai que des consonances. Comme s'il fallait qu'on se donne du mal à chercher. Et là, j'ai la lettre S, et j'entends que c'est un prénom qui sonne en ta, ta, comme ça. Mais c'est tout. Mais par contre, j'ai la Renaissance, le 15e, Botticelli, j'ai tout ça. À la fin, Botticelli, je décroche le nom de Botticelli, je l'ai. Eh bien, elle va commencer une enquête, elle va enquêter, et elle va m'appeler, et elle va la retrouver, cette femme. Cette femme était Simonetta Vespucci, qui a été la muse en titre de Botticelli. Et en fait, les effets et les conséquences sur sa vie, ils vont être importants parce que, dans cette vie-ci, au même âge auquel est décédée Simonetta, elle a commencé à avoir des problèmes respiratoires, d'oppression. Elle a été voir des personnes qui, en expliquant son problème, mais ça n'avait pas réglé le problème, en fait. Voilà. Et quand il y a eu la révélation, et ce problème respiratoire, et surtout d'authentifier quelqu'un, eh bien, on va aller en Italie, on va mener cette enquête. Elle va être confrontée au lieu, dans le quartier d'Ognissanti, qui est un quartier de Florence, où là, on va être confronté au lieu où elle a vécu. Et si... on cherche une certitude au-delà des ressentis qu'elle avait, que j'avais, que je lui ai révélé. Il va y avoir un événement fort. Cet événement fort, il va se passer devant la maison de Simonetta Vespucci, dans le quartier d'Ognissanti, où en face de sa maison, il y a une espèce de café avec des tables extérieures, où moi je vais demander, est-ce qu'on peut s'asseoir et prendre un verre? Le groupe me dit oui, on s'assied. Une personne arrive, nous dit que pour déjeuner, ça n'est pas possible, mais on peut nous servir des consommations.
Donc la personne revient, nous prenons nos consommations, nous commandons, voilà, et la personne revient nous servir et nous dit, écoutez, je vais faire très vite, je vous sers et je m'en vais, je vais encaisser tout de suite parce que je suis pressée. C'était visiblement le patron. Sauf que une des personnes du groupe, et c'est là où, vous voyez, un mot chez moi peut tout déclencher. Une personne dit, Pascal, ne trouvez-vous pas qu'il ressemble à Édouard Manet jeune, ce serveur, enfin cet homme qui vient nous servir. Alors je lui dis, écoutez, c'est possible, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je travaillais avec cette personne sur Édouard Manet et les sœurs Morisot. D'accord. Ça, c'est une enquête dont je n'ai jamais parlé encore, mais la personne est d'accord pour qu'on en parle. Bon, qu'on en parlera. Et il se trouve que de là, elle me parle de Manet, peintre et tout, je sais pas ce qui me prend, et je commence à discuter avec lui, et du coup, il me dit, mais vous êtes là, vous faites quoi? Ben, je dis, ben, on vient pour enquêter sur l'époque de la Renaissance, les peintres, etc. Et là, je lui dis, mais vous, par exemple, quel est votre peintre préféré? Et là, du tac au tac, cet homme me dit, Botticelli. Alors que des peintres à la Renaissance, excusez-moi, mais il y en a pléthore, hein. Il y en a vraiment pléthore. De Michelangelo à Leonardo da Vinci à Frangelico, etc., etc. Bien. Et là, spontanément, je lui dis, mais quel est votre tableau préféré? Du tac au tac, il me dit, Simonetta Vespucci. Mais Or, non. Simonetta Vespucci n'est pas un nom de tableau. C'est pas un nom de tableau, c'est le nom d'une femme. En Alors, plus. qui a posé pour un peintre? Et là, quand il a vu ma tête, il a fait en anglais, don't move, I have a surprise for you. Et il part dans la rue, il court comme un zébulon et il revient avec deux cartes postales. La première, il la montre, il me la montre. Ça représentait le tableau du printemps, tableau sur lequel la veille au musée des Offices de Florence, j'avais fait 2 heures de concentration. Et Oui. l'autre carte postale était le portrait de Simonetta. Et là, dans le groupe, il colle la carte postale sur le front de Valérie et lui dit, c'est vous. Vous êtes la réincarnation de Simonetta Vespucci. Mais non. Alors qu'on est d'accord, il participe pas du tout à l'enquête, il Pas vient du juste servir, vous venez de le rencontrer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est aussi ça les effets que ça enclenche, en fait, sur place. Et ça, je l'ai vécu beaucoup de fois. Mais si vous saviez le nombre de fois que je l'ai vécu sur d'autres enquêtes, ça veut dire en fait que les personnes d'un seul coup, et en fait cet homme qui était pressé et qui nous avait expressément dit, je vous sers et je m'en vais, il est resté 2 heures avec nous. Wow. Il est resté 2 heures avec nous. Et en fait, il va y avoir une espèce de... Ah oui, parce que c'était la vie clé de voûte. Alors oui, parce que finalement, je vous ai raconté ça par rapport à la vie clé de voûte, Oui. parce qu'en fait, la vie Simonetta Vespucci, c'est une vie où on va revenir en permanence. Parce que c'est grâce à cette vie-là qui va nous ouvrir des portes sur d'autres vies de compréhension, parce que là, la vie et l'âme de Valérie va nous ouvrir des portes sur le féminin, le sacré, sur sa vie de femme, sur son évolution, sur ce qu'elle vivra après. C'est une vie, c'est un puits sans fond. Ça veut dire que de cette vie, on a dû y travailler une dizaine de fois. Et de là, il a découlé des choses parce que quand je reprends sur une vie, je vais le prendre sous un prisme, sous un angle, et je vais le redévelopper de la même manière. Et du coup, c'est sans fin. C'est sans fin parce que cette vie est d'une telle richesse. Alors, le paradoxe est de se dire, elle est morte jeune. Oui, mais ce qu'elle a vécu est d'une intensité folle. Puisque, Dingue. c'est incroyable ce que je vais vous dire, mais la prochaine incarnation après Simonetta, elle revient en Italie. Elle revient dans une famille dont j'ai le nom. Et ce qui est incroyable, c'est que Botticelli rencontrera la famille dans laquelle elle est née, ce qui fait que Botticelli, qui a peint Simonetta, la retrouvera dans une autre vie en tant qu'enfant. Et le nom, écoutez ce que je vais vous dire, parce que ça, je l'ai jamais dit. Mais quand j'ai enquêté, alors, je ne peux pas dévoiler pour l'instant le nom de cette famille italienne. Ok. Mais toujours est-il que quand j'ai enquêté, donc on s'est dit qu'on allait... oh là là, c'est tellement... Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Parce qu'en fait, il y a des fois, j'ose même pas tout dire. On va me dire, elle en rajoute. Mais non, au contraire, j'essaye d'en enlever le Franchement, plus vous êtes au bon possible. endroit. On est toutes oui, c'est Et magique. en fait, ce qui va se passer, c'est que... Donc, tout est prêt pour l'enquête. On part dans les 15 jours pour aller enquêter sur cette famille en Italie. Et donc là, la veille,
Je pars à Nice pour une conférence. Et mon assistante à l'époque, ben, vous avez connu Lynn, m'envoie un mail et me dit, Pascal, regarde ton mail parce que je pense que ça peut t'intéresser. Donc j'ouvre le mail et je vois une demande d'un homme qui me dit, bonjour Madame Lafargue, etc. Il me dit, j'ai une proposition à vous faire d'une enquête, etc. Donc je trouve ça passionnant, c'est dans les thèmes, etc. Je regarde. Surtout qu'à la fin, je regarde son nom. Je fais, c'est pas possible. C'est le nom de la famille italienne pour lequel je dois aller enquêter dans 15 jours. Et il met son numéro de téléphone. Alors, chose que je fais jamais. Alors là, je me suis dit, là, c'est énorme. Je prends mon téléphone, je décroche. Je dis, bonjour, vous êtes bien monsieur Intel? Il me dit oui. Je lui dis, c'est madame Lafargue au téléphone? Il me dit oui. Alors déjà, il est un peu scotché que je l'appelle assez rapidement. Et je lui dis, voilà, vous portez un nom. Êtes-vous descendant de cette famille? Et là, il me dit, oui, tout à fait, je suis descendant. Je lui dis, écoutez, voilà, je pars dans 15 jours en Italie, je mène une enquête sur cette famille. J'ai regardé le mail par hasard parce qu'on m'a averti, parce que demain, je pars à Nice pour une conférence. Il me dit, vous êtes à Nice demain pour une conférence? Je lui dis, oui. Il me dit, écoutez, j'habite Monaco, si vous voulez, on se voit demain. Et là, j'ai dit, d'accord, venez 2 heures avant la conférence, eh bien, il va venir avec des documents qu'il va me donner et des informations avec lesquelles je partirai En en enquête. Italie. Sauf qu'il y a une deuxième chose, c'est que, ah non, mais peut-être que ça va faire trop, je ne sais pas ce Non, que je dois allez-y, dire ou allez-y, pas. allez-y. Sauf que ce lieu et où habite cette famille, c'est un hôtel particulier, on ne peut pas entrer. Sauf qu'en marge de ça, une autre révélation faite dans ce sens avait mis en lien une personne que j'avais identifiée comme étant liée à Valérie dans cette incarnation en Italie. Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais cette femme pour qui j'avais fait cette révélation et que j'avais identifiée va être mutée professionnellement en Italie, spécialement dans cet hôtel particulier. Non, mais sur mon honneur, ce n'est que la vérité. Eh bien, elle va y être. Elle va y arriver 10 jours avant qu'on arrive. Et grâce à elle, on va pouvoir entrer dans l'hôtel particulier. Comment vous dire? C'est à couper le souffle, c'est à tourner la tête à un moment donné. C'est pour ça que, pour moi, Dieu existe. Il y a un grand chef d'orchestre. C'est pas Ah possible. mais c'est C'est pas sûr. possible autrement parce que ça dépasse l'entendement, en Oui, fait. il y a Alexandra qui vous dit par exemple, il y a plus que des synchronicités, tous ces personnages comme ce serveur ont fait partie de cette période. C'est Absolument. ils sont En vraiment en fait, lien avec l'enquête. ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors, tout à l'heure, quand une personne a posé comment on peut être sûr, bien là, il y a un moment donné, Ça bah oui. quand les événements de vie se mettent en place de la sorte, comment voulez-vous douter? Comment voulez-vous douter? Parce qu'il y a plus de place au doute. Les Oui, c'est faits nouvelle. parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Donc, il y a un moment donné, les faits, rien que les faits, en fait. C'est pour ça que je me donne aussi autant de mal. Alors, donc là, on est dans le cas d'une vie clé de voûte qui ouvre plein de portes. Alors, C'est magique. Ça fait du bien à entendre tout ça, vraiment. Hein, c'est. Il y a Océane, par exemple, qui dit passionnant. Je suis heureuse d'assister au live de ce soir. Donc voilà. ben merci. Merci Océane. Moi aussi. Merci. Je le savais que ça serait une belle soirée. Je le sentais toute la journée. J'attendais ce soir avec impatience. Alors, Ah, Ariane qui vous dit absolument fabuleux. Merci. Voilà. bah merci, c'est gentil, c'est gentil. En tout Super. cas, c'est un moment de partage et je fais juste une petite digression pour dire que dans l'époque où nous vivons, ces moments de partage et de sacré de spiritualité sont extrêmement importants. Nous en avons grandement besoin. Oh Voilà, oui. nous en avons besoin. Alors, je vais glisser maintenant sur les impacts des vies, des révélations. Alors, et ça va répondre aussi parce que on ne peut pas répondre par une phrase parce que les réponses sont beaucoup plus longues et beaucoup plus denses qu'on peut l'imaginer. Mais vous allez voir maintenant, si on doute à un moment donné d'une quelconque, enfin au stade où j'en suis rendue maintenant, là je suis dans mon bureau, ce ne sont que des murs d'archives, parce qu'on ne les voit pas, je cache tout, mais ce ne sont autour de moi que des murs d'archives classés, répertoriés, hein, clairement. Alors, je vais vous parler de cette enquête. Cette enquête, en fait, cette révélation, plus particulièrement,
quand on parle des effets dans notre vie actuelle, vous allez voir l'impact que ça a eu. Il y a quelques années, une de mes élèves donc souhaite remonter dans une de ses vies antérieures. Et en fait, alors très en substance, hein, parce que je suis obligée de faire très court, hein, je vais me retrouver dans un lieu très verdoyant, des arbres, des forêts, des lacs, des rivières, des montagnes en arrière-plan. J'ai pris des notes très succinctes, hein, parce que je ne peux pas résumer 3 heures comme ça. Et là, j'entends l'Amérique du Nord. Je vois comment dirais-je, un campement, des tentes, un village qui s'organise. Et puis d'un seul coup, je vois des Indiens. Je vois des Indiens, ces hommes et ces femmes vivent avec cette connaissance de la nature. Il y a un respect de l'environnement. Tout s'organise de façon très hiérarchique autour d'un homme, le maître, l'âme du village. Cet homme transmet les histoires, la culture du peuple. Je décris des rituels spécifiques liés à la naissance. Il y a des sons, des chants, une solidarité entre les femmes. Le rituel des offrandes, je le décris. Le lien avec les esprits, je les décris aussi. Je décris beaucoup de rituels au sein de la communauté. Beaucoup d'informations sont données et décrites par le grand maître. Et en fait, je vois cette femme a un lien. Elle vit donc chez ces Indiens. C'est une Amérindienne. Elle vit chez les Indiens d'Amérique du Nord. Et le lien avec cette femme, un lien avec cette femme, je vois qu'elle a un lien très fort avec une femme qui va lui transmettre énormément de choses. C'est un petit peu comme l'âme âgée du village. Et elle va lui transmettre énormément de choses, une éducation spirituelle, etc., etc. Et je vais, donc, le rôle de cette femme très ancienne, qui est vraiment considérée comme l'ancienne du village, va être très important pour elle. Mais je parle aussi d'un homme qui est comme un frère, un lien, quelqu'un de fort. Et je décris leur relation, ce qu'ils vont vivre ensemble, etc., etc., etc. Bien. Oui. Alors évidemment, alors là, évidemment, je vous ai réduit ça en très peu de temps. Mais à l'issue de ça, elle va m'avouer qu'elle est fascinée par les Indiens, les Amérindiens, le chamanisme, et qu'elle joue du tambour. Ah Et alors oui. évidemment, tout ce que je viens de lui dire lui parle au plus haut point, puisque quelque part, c'est quelque chose pour elle qui est absolument parlant, explicite. Et j'ai le culot de dire, alors, pardonnez-moi, mais je vais avoir un petit visiteur, c'est pas grave. Voilà. Et vous voyez, quand je parle de chamanisme, le chat, voilà. 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 Et en fait, j'ai le culot de dire, quand on est dans la partie débrief, j'ai le culot de dire, écoutez, alors je vais l'appeler Marie, écoutez Marie, je viens d'entendre que cet homme qui a été ce frère, il vit et il existe actuellement. Oh. C'est gonflé, c'est très Oui. gonflé. Et là, à ce moment-là, évidemment, elle n'a qu'une envie en me disant, mais où il est? Et là, je dis, je ne sais pas, je suis très fatiguée. Là, j'arrête, je ne sais pas où il est, mais honnêtement, je viens d'entendre qu'il vit actuellement. Donc, évidemment, je lâche une petite bombe pour elle et une envie irrépressible de savoir, évidemment, où il est et qui c'est. Donc, nous nous quittons, on se sépare et la suite, vous allez voir, est inouïe. À l'issue de ce travail et de cette révélation, elle passe voir sa maman. Elle rend visite à sa maman et elle explique à sa maman ce qui vient de se passer et la force avec laquelle j'ai percuté sur quelque chose de très résonnant en elle. Et elle raconte tout. Et elle me dit, Pascal a terminé cette séance en disant, mais ce frère, il vit, cet homme vit actuellement. Et la maman lui demande, il est où, il fait quoi? Elle fait, ben non, c'était la fin de la séance, elle était fatiguée. Mais elle dit, je ne manquerai pas de lui demander la prochaine fois. Et là, ça bascule. Regardez l'effet d'une révélation. Regardez où ça va aller. Et là, la mère, sa maman, je vous parle d'il y a quelques années, qui était âgée, lui dit, eh bien, écoute, je crois que le temps est venu et il faut que je te dise quelque chose. Donc, Wow. je vais l'appeler Marie. Marie lui dit, oui. La maman se lève, ouvre un tiroir d'une commode et sort une photo. Elle prend la photo, elle la donne à sa fille et lui dit, eh bien voilà, je te présente ton frère.
Marie prend la photo et voit sur la photo un Indien, un homme indien. Elle ne comprend pas, elle regarde la photo, elle ne comprend pas. Et elle dit à sa mère, mais qui c'est? Elle dit, c'est ton demi-frère. Elle dit, mais alors qu'elle avait à l'époque une soixantaine d'années, hein, cette élève. Elle dit, mais comment ça? Et sa mère perce un secret de famille et lui dit, eh bien voilà. Lorsque sa mère était anglaise, elle vivait en Angleterre très jeune, elle a eu un enfant illégitime. Et donc, à l'époque, une femme pas mariée, qui a un enfant, c'était plutôt mal vu dans la condition. Donc l'enfant va être adopté à une famille indienne parce qu'elle a eu cet homme avec un Indien. Et l'enfant va partir aux États-Unis, au Canada, et va être élevé parmi les Indiens puisqu'il est d'origine indienne. Sa mère avait gardé un contact avec son fils, mais n'en avait jamais parlé. Il a fallu ce moment-là pour qu'elle révèle à Marie l'existence de ce demi-frère. À partir de ce moment-là, Marie va lui demander, mais il vit, oui, ou au Canada, oui, aux États-Unis, enfin je ne sais plus où. Et elle me dit, est-ce que tu as les coordonnées? Elle lui demande si elle a les coordonnées, elle dit oui. Et à partir de là, elle n'aura de cesse. Elle va prendre contact avec lui. Ils vont se voir. Il va lui d'abord venir en France. Ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Et elle se rendra au Canada, enfin au Canada, en Amérique du Nord. Et là, elle va auprès des Indiens revivre beaucoup plus tard, parce que cette vie chez les Amérindiens remontait, je ne sais plus quelle est l'époque, mais elle va revivre au sein de cette communauté des moments forts, des moments inouïs. Elle re-rencontrera la vieille sage du village dans cette vie actuelle. Et l'homme qui est son frère, son demi-frère dans cette vie, elle va revivre à l'identique des moments incroyables. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. Si, y a Pic-Pic par exemple qui me dit c'est dingue. Ça veut dire, oh, j'en ai des frissons au moment où je vous le dis, parce que là, on est, Là, comment ça a dirais-je, vraiment des effets et sur sa vie et actuelle, attendez, si cette vous saviez tout révélation. ce qui suit, mais c'est inouï, c'est Allez-y, complètement allez, on est inouï. là. Je sais Donc, plus qui disait tout à l'heure. Attendez, je vous lis ce commentaire vite fait. Nora, ce n'est pas grave si l'émission dure 3 heures. On est là, on ne bouge pas. Pascal, on est avec vous, on est tout ouïe. Donc en fait, là, on est dans un cas de figure, en fait, où là, ça va percer, en fait, un secret de famille. Et d'ailleurs, j'ai à titre personnel la joie de lui avoir révélé ça, parce que elle n'avait qu'une envie, c'était d'aller vivre auprès d'eux, d'aller vivre. Et en revanche, donc je vous parle de ça il y a quelques années. Et ça, alors déjà, il y a un impact fort, c'est que sa maman, avant de mourir, a pu révéler ce secret de famille, et que elle a pu comprendre tout ce qui la tourmentait au niveau du chamanisme, du tambour, des chants qu'elle faisait, mais ce lien. Alors évidemment, quand les élèves travaillent avec moi, c'est qu'ils veulent comprendre des choses, mais des fois, je ne sais pas ce qu'ils veulent comprendre. Mais grâce aux révélations, on le met en exergue et on donne du sens à cette incompréhension qu'il véhicule. Et ce qui est important, c'est que la mère, déjà, elle a libéré ce secret de famille avant de mourir. Et deuxième chose, c'est que ce que j'ai révélé à cette élève, et moi je voyais que dans l'avenir, elle vivrait là-bas. Mais ce que je n'ai pas pu lui dire, c'était que c'était dans sa prochaine incarnation. Car elle est décédée, je crois qu'elle est décédée 3-4 ans après cette révélation, mais avant de quitter cette terre, elle a pu connaître son demi-frère, elle a pu le rencontrer. Et elle a pu libérer et vivre ce qu'elle avait à vivre. De toute façon, sa prochaine incarnation, parce que ça aussi, j'en ai encore pas parlé dans des émissions, mais je travaille beaucoup sur le futur et les prochaines incarnations. Eh bien, je sais qu'elle se réincarnera chez les Amérindiens. Voilà. Alors, on va rester un petit peu dans le secret de famille. Avec Et plaisir. je vais vous parler d'un autre cas absolument incroyable. Ce cas-là, ça remonte à quelques années. J'étais même encore étudiante à l'époque, je me rappelle. Mais j'étais presque sur le point de terminer. J'ai étudié pendant 9 ans, hein.
Voilà, j'ai été testée pendant 9 ans, étudiée pendant 9 ans. Et en fait, un jour, ce que vous n'êtes pas sans savoir, je l'ai déjà dit, hein, que je travaillais Air France dans une compagnie aérienne, et que j'ai quitté il y a 3 ans et demi, hein, pour pouvoir maintenant faire complètement tout ça. Un jour, une collègue me dit, Pascal, je sais que toi, tu es attentive à ça. Je voudrais te parler d'un fait. Il se trouve que ma fille, tous les soirs au pied de son lit, elle dit qu'elle voit un homme et ça l'inquiète. Elle me dit, qu'en penses-tu? Elle me dit, je ne sais pas quelle explication lui donner ou qu'est-ce qu'on doit comprendre. Et là, alors qu'on était assis au bar de l'aéroport avant un vol sur lequel je devais aller, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux sursoir à ce qui arrive. Je sors un stylo de ma poche et j'écris sur le sachet de thé 3 lettres. POR. Et je dis, je sais qui est cet homme. Il s'appelle Porc. Mais Porc, ce n'est pas un prénom pour moi. Et elle me dit, et quand elle entend ça, elle devient rouge comme une tomate et elle se met à pleurer. Et j'ai dit une bêtise, elle dit non, non, continue. J'ai dit, écoute, voilà, l'homme que ta fille voit au pied du lit, voilà son prénom. Cet homme, je vois qu'il a été majordome dans un château. Il a travaillé au service d'un comte et d'une comtesse, mais il n'habitait pas dans le château. Il habitait dans une propriété. Et j'écris la lettre M. Le nom de cette propriété commençait par la lettre M. C'était près d'un lac, auprès d'un bois, etc. Et il se trouve que cet homme a aimé une femme. Et la femme qu'il a aimée, ils ont eu un enfant illégitime. Et qu'en fait, cet enfant illégitime, en fait, qu'ils ont eu, il se trouve que, pardon, la femme qu'il a aimée, eh bien, ta fille réincarne cette femme. C'est la raison pour laquelle il veut passer ton grand-père, veut passer le enfin, ton grand-père, non, je ne savais pas que c'était son grand-père à ce moment-là, veut passer le message à ta fille qu'en fait, il veut lui faire passer qu'en fait, ils se sont connus et il vient lui passer ce message que je suis en train de te donner. Et là, cette personne va me dire, Pascal, mon grand-père s'appelait Peur. En fait, si ça ne se traduit même pas en langue française, peut-être Pierre et encore. Donc ça, comment je pouvais le savoir? Et elle m'explique que son grand-père travaillait au service d'un comte et d'une comtesse dans un château, mais qu'il n'y vivait pas. Qu'il habitait dans une propriété près d'un lac, près d'un bois. Cette propriété s'appelait Mascou, la lettre M, Mascou. Ça se passait en Finlande, en Finlande. Donc, elle va tout authentifier, absolument tout authentifier. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que d'avoir, alors je l'ai fait très court, hein, mais le fait d'avoir révélé ça, le fait d'avoir révélé ça, va auprès de sa fille, les manifestations vont s'arrêter parce que ça y est, le défunt, il a compris que j'ai passé le message, donc il n'y aura plus de manifestations. Et en revanche, il reste quand même un secret de famille, parce que je vous parle de ça il y a presque 30 ans. Cette femme était finlandaise et elle me dit. Je lui dis, mais est-ce que. Donc, le grand-père étant mort, je lui dis, est-ce que sa femme vit toujours? Elle me dit oui, mais elle est très âgée, elle a 90 ans, elle est très âgée. Et elle me dit, Pascal, quand j'irai en Finlande, bien sûr que je lui poserai la question. Et je veux savoir. Elle est allée en Finlande, elle a pu parler à sa grand-mère. Elle lui a raconté toute l'histoire par rapport à cette incarnation, cette révélation de vie antérieure sur sa petite fille, et bien avant de mourir. La grand-mère a avoué qu'effectivement, dans la famille, il y avait un secret de famille d'un enfant illégitime que son mari avait eu avec une des employées du château. Oh, voilà. Dom LG qui a écrit « Je suis en apnée, c'est bon, tu peux respirer maintenant. »
On est à chaque fois là. On se dit waouh, la chute est toujours incroyable. Oui, parce que. Les secrets de famille révélés. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que. Il y a une chose, d'ailleurs ça répondra aussi à la question, ce que je dis toujours à mes élèves lorsqu'il y a une révélation, je leur dis toujours, soyez très attentifs aux jours et aux semaines qui suivent la révélation, parce que vous allez être confrontés à des signes, à des informations, à des signes, notez-les, notez même le jour, parce que la date, le jour, le lieu peut aussi avoir une importance. Et je leur dis, notez bien. Et là, je vais glisser sur un autre effet de résonance, en fait, parce que vous allez voir l'impact. Et là, ben, j'ai envie de vous dire, ça va quand même assez loin. Ça va quand même assez loin parce que, alors là, j'ai eu d'ailleurs cet élève au téléphone aujourd'hui parce que je voulais lui demander son accord, parce que moi, j'aime bien faire les choses quand j'ai l'accord de le faire. Et en fait, cet élève, elle va être tirée au sort en cours. Elle va être tirée au sort en cours, donc tout le monde entend, hein, on est bien clair, hein, voilà. Parce qu'en cours, comme je le disais, Nora, quand il y a une expérience sur un élève, les élèves, bien sûr, c'est à eux aussi de travailler, mais moi, je le fais avec eux toujours, voilà, je le fais aussi avec eux. Peut-être à l'écoute ce soir, auquel cas. Et en fait, donc on expérimentait, c'était un cours de deuxième année, en fin d'année, on se dit, oh, bon, on va faire une première expérience. Elle est tirée au sort. Et lors de cette expérience, ce qui va être intéressant, c'est, alors évidemment, je n'ai pas tous les éléments en tête, mais j'en ai quelques-uns, ils vont suffisamment justifier ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait, je vais, parce que rappelez-vous ce que j'ai dit en cours, les temps de concentration sont beaucoup plus courts, hein, mais je vais parler d'une femme que je vois vivre à cheval fin du 18e, début du 19e siècle, et en fait, écoutez bien ce que je vais vous dire, j'entends que la vie se passe à Saint-Malo, que cette femme, je décris une éducation, une famille un peu stricte, autoritaire, dans laquelle elle est un peu étouffée, etc., etc. Et puis, elle est avec deux amis à un moment donné, et avec ces deux amis, un s'appelle Jean, l'autre s'appelle Paul. Écoutez bien tout ce que je vous dis, eh bien, elle va se retrouver dans un, je la vois aller dans un estaminet, en fait, et là, ses amis qui parlent beaucoup littérature, poésie, eh bien, ces deux hommes, Jean et Paul, vont lui présenter un ami, et cet ami n'est autre que Chateaubriand, François-René Chateaubriand. Et en fait, alors qu'elle, elle est sur le point d'entrer dans les ordres parce qu'elle veut fuir quelque part un contexte, cette rencontre va complètement bouleverser sa vie. Et ça va bouleverser sa vie. Et donc, sa vie va complètement changer à ce moment-là. Et elle va prendre une toute autre direction de cette femme. Et donc, je vais décrire des rues, des moments, etc., etc. Donc, je vous donne que cet extrait-là. Et là, quand j'ai eu terminé de parler, après que les élèves se soient exprimés, il y a un silence dans le cours, mais plombé complètement. Et moi, je me suis dit, comme je sortais, j'émergeais un peu de ce que je venais de dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, et cet élève va me dire, alors comme je n'ai pas demandé l'autorisation de dire son prénom, je vais l'appeler Jeanne. Jeanne, en fait, est en état de sidération. Elle est choquée par ce que je viens de dire, mais choquée dans le sens, c'est trop pour elle. C'est trop parce que vous allez voir la suite. En fait, elle va me dire qu'elle cherchait à trouver un lieu en Bretagne où se fixer. Et curieusement, quelques mois auparavant, elle avait visité la ville de Saint-Malo et elle s'était dit que c'est un endroit où elle pourrait vivre et elle pourrait se fixer. Autre chose, quand dans cette vie antérieure, je parle de deux hommes, et ce n'est qu'un extrait de cours, hein, Jean et Paul, avec qui elle est, qui lui présente François-René Chateaubriand. Eh bien, Jean et Paul, ces deux amis-là, sont respectivement dans sa vie actuelle le prénom de ses deux frères, Jean et Paul. Non. Et à un de ses frères, je ne sais plus si c'est Paul ou Jean, elle va lui offrir, donc quelques temps auparavant, les ouvrages
de François-René Chateaubriand. Mais c'est pas possible. Et là, vous vous dites, il y a un truc qui c'est énorme. Et ce dont je vais faire le point avec elle, c'est qu'elle va découvrir quelque temps avant cette révélation. Écoutez ce que je vais vous dire, parce que là, ça dépasse l'entendement. Et c'est elle qui me le dira aujourd'hui, parce que moi, je ne m'en souvenais pas. Un de ses ancêtres s'appelle François-René Briand. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous vous dites, mais c'est complètement à couper le souffle. Et ils vont fréquenter des cafés littéraires, etc. Et là, elle va me raconter une histoire absolument touchante. C'est qu'en fait, cet ancêtre, alors je ne vais pas très bien le faire, mais je vais rester très en substance et de façon lapidaire. Et cette histoire est fantastique. Et je pense, de ce qu'elle m'a dit, que ça fera l'objet d'un travail la prochaine fois pour nous deux. Cet ancêtre, en fait, de sa famille, va répondre à l'appel du général de Gaulle. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va intégrer un certain service, en fait, pendant la guerre. Et c'était un résistant, mais c'était aussi un religieux qui a été torturé pendant la guerre par les Allemands, puis il a été envoyé dans les camps. Mais elle m'a expliqué qu'il avait une foi colossale, et sa foi, quelque part, va le sauver, parce que c'était un combattant, un moine soldat. Et donc, cet homme avait une Bible. Écoutez ce que je vais vous dire. 70 ans plus tard, 70 ans, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, je reviens, pardonnez-moi, sur la vie, l'extrait en cours, où elle va être dans une brocante chez un antiquaire, avec justement ses amis, et ils vont être dans un café littéraire ensuite. Eh bien, j'ai oublié de préciser ça. Je reviens maintenant. Elle l'a appris, donc elle avait appris par rapport à la révélation. La révélation, c'était il y a 2 ans, donc c'était avant la révélation. Non, la révélation, c'était il y a 3 ans, 3 ou 4 ans. Non, 3 ans. Et elle va être, la famille va être contactée par un ancien soldat canadien qui, dans une brocante, va retrouver la Bible de son ancêtre. 70 ans plus tard, la Bible de cet ancêtre lui revient. Wow. Wow. Retrouve ses propres objets, en fait. Ça veut dire, en fait, que là, il y a une espèce de concomitance par le fait de la révélation karmique, entre le nom de cet homme, parce que la première vie que je révèle chez elle, c'est une vie où elle rencontre François-René Chateaubriand. Oui. Or, je ne sais pas, mais je suppute quand même une vie clé de voûte. Un ancêtre s'appelle François Chateaubriand. Non, pardon, François-René Briand. Attendez, c'est quand même énorme. Un ancêtre porte quasiment le nom de la première rencontre avec l'histoire de la Bible, parce qu'il ne faut pas oublier que je la voyais aller rentrer qu'aussi sous les ordres. Mais finalement, elle va prendre une autre direction. Et donc, il y a la notion des ordres aussi qui ressort aussi karmiquement chez elle. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'une révélation, en fait, impacte au-delà de votre propre compréhension. C'est-à-dire, en fait, vous allez révéler quelque chose. En fait, on va être clair, Nora, quand je révèle, je ne mesure pas à ce moment-là l'impact et la déflagration que ça va avoir au-delà de ce que j'ai pu dire à ce moment-là. Ça va avoir un impact colossal. Et du coup, et ça je l'ai constaté grâce aussi, alors en menant ma propre enquête avec Mathilde Toscane pendant 9 ans, hein, faut quand même pas l'oublier, c'est le dernier livre que je viens de sortir, où j'ai enquêté pendant 9 ans sur Mathilde Toscane, je sais qu'à partir du moment où j'ai compris que j'allais enquêter et que j'étais en accord avec ça, mon inconscient va se connecter avec des tas de personnes dans plein de pays qui vont revenir à moi et qui vont m'amener des informations complémentaires et qui vont faire des choses incroyables. Et bien, c'est pareil pour les élèves avec qui je révèle. C'est ce qui va se passer aussi également. Ça veut dire qu'il y a la révélation avec ce que j'ai expliqué, les résonances, l'enquête, aller sur le terrain, etc. Mais, et puis la synthèse. Mais ça, c'est le protocole. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire, en fait, c'est qu'on n'a plus de contrôle sur l'impact absolument de la révélation. Puisque, en fait, toutes les personnes qui gravitent autour de cette vie à cette époque, qui sont
potentiellement capables de nous donner des confirmations ou des réponses vont se retrouver liés avec nous et vont venir à nous, alors que ces gens-là, on ne les connaît pas. Est-ce que je suis claire dans ce que j'explique ? Oui. Oui, hein, j'espère être claire dans ce que j'explique. Ça veut dire en fait qu'il y a, en fait, dans la révélation, quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui nous dépasse. Oui, il y a Nathalie qui dit « La vie, c'est comme un rébus que les dieux distribuent. » Enfin, une sorte de... Voilà, ça se met en En place fait, petit à petit. oui, et puis imaginez un patchwork. Oui. Voilà, on prend les morceaux, on les colle, et d'un seul coup, ça devient un très beau patchwork parce que ça donne même du sens. Ça veut dire que, oui. Vous savez, quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on choisit sa famille? En fait, je vous ai dit, attention, c'est toujours la structure qui est karmique. Une structure familiale, elle est toujours karmique. Mais regardez même au niveau des ancêtres comment on est rattrapé, même par les noms, c'est-à-dire l'influence des noms, l'influence des reliances, des reconnaissances. C'est énorme, c'est énorme. Donc en fait, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais ça colossal en termes d'effet que ça a. Alors bien évidemment, c'est quelque chose de très frais, qui n'a pas encore trouvé sa bonne évolution, mais déjà le début est très prometteur, hein. Et en termes d'effet, bien effectivement, eh ben voilà ce qui peut se produire et voilà ce qui arrive en termes, je dirais, de réponse. Alors évidemment, ça demande aussi un investissement de la part de l'élève, hein, d'aller enquêter, d'aller chercher, mais je crois qu'au stade où ils en sont, ils sont tous passionnés. Donc d'aller sur le terrain enquêter, ils n'ont pas vraiment à se forcer, je Ils pense. demandent, ils le demandent. Voilà, mais c'est moi ce qui tellement magique. M'intéresse, c'est de se rendre compte qu'en fait ça n'a pas de fin, Nora. Il n'y a pas de fin à ça. Énorme. Alors, on va passer sur un autre exemple. Oui. Alors, on va quitter le secret de famille. On va quitter le secret de famille un petit peu. On va quitter le et on va aller sur le ressenti ou le ressentiment d'une personne qui peut ressentir des choses. Alors, okay. C'est encore une expérience de cours. Et cette expérience de cours, pardonnez-moi. Allez-y, je vous en prie. En fait, tirage au sort, pareil. La personne est tirée au sort, donc je vais l'appeler Jeanne aussi, hein, puisque voilà, je protège mes élèves aussi, hein, et leurs prénoms. Et les élèves, donc, temps de concentration, les élèves expriment ce qu'ils ont vu, et moi, je prends la parole à la fin. Parce que le but, c'est surtout que les élèves travaillent. Moi, c'est un petit cadeau que je fais à chaque fois dans les tirages au sort. Oui. Et donc, voici en substance ce que je vais dire sur elle. Je vois une femme. 20e siècle, début du 20e siècle. Je vois tout de suite, je vois le quartier Paris, Opéra, et je vois que cette femme est très amoureuse de la langue française. Elle écrit, elle archive, j'entends un mot, c'est un mot, il faut écrire une phrase correctement, proprement, très à cheval sur les principes. Et je vois que cette femme a des gros problèmes de dos, des problèmes lombaires, et elle est extrêmement peinée parce qu'elle est passionnée par la danse, donc elle ne peut pas danser à cause de ses problèmes de dos. Et je la vois travailler auprès d'une femme, écrivaine. Elle fait des relectures, elle corrige, elle est dans un groupe de personnes. Et puis, je suis très intriguée, donc je décris. Et puis, au bout d'un moment, dans mon temps imparti, qui est beaucoup plus court en cours, bien sûr, je sais, j'entends le prénom de la femme avec qui elle est proche, avec qui elle travaille. Et le prénom de cette femme est Colette. Oui. Et là, je lâche le prénom Colette juste à la fin de ma concentration. Et là, replombage dans le cours. Plus personne ne parle. Et elle met du temps à parler. Mais en fait, je comprends, c'est un peu des états de sidération. Et là, elle reprend la parole et elle me dit, écoutez Pascal, mais on voyait son trouble. Elle me dit, écoutez Pascal, je suis extrêmement troublée, je vais vous expliquer pourquoi. Depuis que je suis adolescente, j'ai tout lu sur Colette, tous ses livres, toutes ses œuvres. Je connaissais tout par cœur de Colette. À l'époque, on me disait, quand j'avais 14-15 ans, que c'était has-been, machin, etc., etc. Et elle dit, chemin faisant, je me demandais si j'étais pas la réincarnation de Colette, tellement ça me parlait. Ça, c'est un sentiment qu'on peut éprouver. Et d'ailleurs, je dégage une théorie qui, du coup, vous allez voir à quel point ça se met en place, c'est pas parce qu'on se sent attiré par un personnage qu'on est le personnage, mais on a pu côtoyer de près le personnage. Et là, c'est l'exemple parfait.
Ça veut dire qu'en D'accord. fait, c'est l'exemple. Eh oui, se sentir attiré par un personnage, on peut être ce personnage, mais on peut l'avoir côtoyé, approché, connu, sans pour autant être ce personnage. Pour ça qu'il faut toujours être très prudent. Et moi, je préconise la prudence tout le temps. Oui. Eh bien, le fait de faire cette révélation, en fait, eh bien, je viens, alors que c'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années au moment de la révélation, en fait, je suis en train de soulever un voile. Non, vous n'êtes pas la réincarnation de Colette, parce que moi, je ne savais pas tout ça, je ne connais pas la vie privée et intime de mes élèves. Mais en revanche, vous l'avez côtoyée et connue de près. Et là, ça faisait sens. Tout faisait sens. Et elle me rajoute, elle me dit, Pascal, dans cette vie, j'ai de terribles problèmes de dos, donc j'ai du mal à danser. Par contre, mes deux filles sont danseuses professionnelles. La danse était restée quelque part quelque chose d'inabouti parce que pour ces raisons-là. Et dans cette vie-ci, elle est aussi archiviste. Elle travaille dans les archives, enfin, etc. C'est D'accord. comment vous dire, ce qui est délicieux en fait, c'est que là, on est dans le cas typique en fait d'un effet sur sa vie. En fait, l'effet que ça avait sur sa vie à elle, sans en comprendre le sens, c'est le lien qu'elle avait avec Colette. Elle pensait qu'elle pouvait être Colette. Et il a fallu ce tirage au sort. Alors là, j'ai mis les deux pieds dedans du premier coup, j'ai envie de dire. Oui. Ça aurait pu ne pas être le cas. Mais non, vous n'avez pas été Colette, mais vous l'avez connue, vous avez été proche d'elle. Et vous avez travaillé avec elle. Ce qui fait que quand elle était adolescente, dans sa pureté intellectuelle non parasitée, parce que plus on avance et plus on est adulte, le problème, c'est d'être trop intellectuellement parasité ou de Oui. se conforter dans ce qu'on croit, dans des certitudes qui des fois ne sont pas forcément justes en fait. Hein. Oui. Eh bien là, le voile était levé et elle a été complètement libérée de ça. Donc vous voyez, dans le comportement d'une personne, dans une vie incarnée, par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ce qu'elle aime, ce qu'elle envisage, ce qu'elle voudrait faire, par rapport aussi à ses peurs, ses craintes, eh bien, elle peut et nous pouvons tous ressentir des choses sans pouvoir forcément l'expliquer. Ce qui va être intéressant, c'est par ce biais. Alors évidemment, la réincarnation, c'est un axe par lequel on peut comprendre, mais il y en a plein d'autres, hein, d'autres supports de travail hein, que j'utilise aussi, qui peuvent aussi permettre de comprendre aussi certaines choses. Eh bien, par cet axe-là, ce qu'elle a vécu dans son adolescence et ce qu'elle a toujours gardé dans sa vie de femme, eh bien, se trouve libérée ce jour précisément lors de ce cours. J'ai une question souvent qui revient, donc je vais essayer de vous Oui. la poser, de Louisa par exemple, qui vous demande qui sont ses élèves. Pic-Pic qui nous dit comment Pascal choisit ses élèves. Comment ça se passe? On a envie de participer à vos cours, d'être là même, de suivre les enquêtes. Alors, je vais Est-ce qu'on peut expliquer. postuler? Alors déjà, je ne choisis personne, c'est plutôt les élèves qui me choisissent. C'est-à-dire, en fait, viennent à moi les personnes qui ont envie de venir participer. Là, pour tout vous dire, je démarre une nouvelle session samedi, un cours de première année samedi. Donc là, je vais accueillir des nouveaux élèves dès samedi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'étudie pas que la réincarnation. En première année, on ne parle pas de réincarnation, c'est pas au programme. Mais donc voilà, bah pour venir à mes cours, alors là je crois qu'il est quasi complet ce cours, je sais pas, il reste peut-être une place ou deux, je ne sais pas, mais c'est quasi complet. Là je démarre dès samedi. Après dans l'année, s'il y a beaucoup de demandes, je peux totalement ouvrir un cycle plus court, tout dépendra évidemment de la demande, pour le moment c'est pas l'heure du jour, mais c'est s'inscrire tout simplement. Après maintenant, faire des enquêtes et des voyages d'études. Alors, je vais peut-être décevoir beaucoup de personnes, mais je préfère être honnête. Avant de pouvoir faire des enquêtes ou des voyages d'études, il y a 3 ans d'attente. Faut avoir été élève pendant 3 ans. Ça, c'est un... Ça se Ça, c'est mérite. un... Ah ben oui, là, je suis désolée. Voilà. Je préfère être honnête, il y a 3 ans. Donc là, je peux vous dire que ceux qui ont fait les 3 ans, ils sont contents d'être sur la liste et de partir Oui. en enquête avec moi. Et oui, pourquoi? Alors, je vais expliquer pourquoi. D'abord, il faut que les gens apprennent à me connaître. Il faut qu'ils se sentent de travailler avec moi, de En me faire confiance. confiance, absolument.
Et Ça demande du temps. ben oui, et la confiance, ça ne se gagne pas en 48 heures. Non. Donc en fait, il faut qu'ils aient le temps de me connaître, qu'ils veulent être certains de travailler avec moi, qu'ils aient confiance en moi et que je puisse les accompagner dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça que j'attends ces 3 années. Et après, au bout de 3 ans, ben souvent les élèves continuent au niveau supérieur. Et là, ça ouvre des portes de plein de choses qu'on fait ensemble, bien entendu. Parce qu'une confiance s'est établie, je les connais depuis 3 ans. Et je sais qu'ils sont très motivés, surtout quand on continue en niveau supérieur. Donc je sais que, et puis surtout, moi j'ai besoin aussi de les connaître, savoir si en voyage d'études, ils sont capables de vivre une semaine en groupe. Parce que des fois, on part 10 jours. Hein. Quand on va dans les pays lointains, on part 10 jours. Donc il faut aussi se dire, est-ce qu'on est capable de partir et de vivre une vie de groupe pendant 10 jours? Oui. Voilà, il y a Donc, il faut aussi aussi se ça. connaître Voilà. entre les élèves. Il faut apprendre à se connaître. Il y a Elodie qui dit, je Voilà. m'inscris tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Donc, il y aura des listes d'attente, tout ça. Vous préparez tout ça. Mais sur Nuria, ils sont très patients. Nuria TV, j'ai sur le chat des personnes qui sont là depuis 7 ans. Donc, pour avoir les informations nécessaires à nous avancer, puis on adore les enquêtes, on adore les histoires comme ça. Donc, même les vivre au travers des autres ou en entendre parler. Ou, voilà. Oui, et même Nora, ce que je voulais dire, je me permets de vous interrompre, mais même si les enquêtes. Si il y a des personnes qui viennent en enquête qui ne sont pas concernées par l'enquête, mais rien que le fait de le vivre, C'est ça. d'être dans l'histoire et le vivre, eux, ça leur va. Alors évidemment, il y a des élèves qui sont concernés, mais ce que j'aime, c'est que même s'ils ne sont pas concernés, c'est un travail d'équipe, on est ensemble Et et tout le on monde, vit les bah par choses exemple, parce ensemble. qu'il y avait une personne par exemple à table qui a fait une remarque sur le serveur et elle n'était pas concernée elle-même, mais elle a Absolument, participé à aider à c'est obtenir ça. une information. C'est ça, Et vous c'est avez ça. dit à un moment assez rapidement, mais c'était par tirage au sort. Donc on tire au sort et puis ça tombe sur Oui. cet élève ou Alors je c'est vais tout le temps oui, comme alors ça? par contre, je me suis alors quand je mène des expériences collectives en cours, ce que je fais, c'est que sur des petits morceaux de papier, je mets le prénom de chacun de mes élèves. Je plie ces petits morceaux de papier. D'ailleurs, je ne mets les prénoms de mes élèves dans l'enveloppe que ceux qui souhaitent être tirés au sort. Je Oui. n'oblige jamais personne. S'il y en a qui ne souhaitent pas être tirés au sort, ils ne le sont pas. Honnêtement, tout le monde veut être tiré au sort, je vous dis la vérité. Tout le monde veut être tiré au sort. Mais si c'est le cas, quelqu'un ne souhaite pas, je ne mettrai pas le prénom. Et je demande toujours, souhaitez-vous être dans l'enveloppe? Ça, tous mes élèves pourront le témoigner. Est-ce que vous souhaitez? Et je mets, voilà. Et là, je mets tous les petits C'est prénoms, les parfait. papiers pliés en quatre, dans l'enveloppe. Et je dis toujours que c'est la main du destin qui tire. La personne, l'expérience du jour. Voilà, c'est la main du destin. Et Voilà. voilà, et comme ça on est sûr de ne pas se tromper parce qu'il n'y a pas de hasard. Ce qui fait que quand quelqu'un C'est est tiré ça. au sort, ben on C'est ça. participe au développement de son histoire ou de ses histoires et des enquêtes. Et c'est tout aussi passionnant et c'est forcément le choix le plus juste. Donc Absolument. comme ça, vous êtes tranquille par rapport à ça parce qu'il Oui, peut y et je avoir dis une toujours que demande. c'est le. Voilà. Et vous savez que des fois, il est arrivé dans une même année que le même élève soit tiré plusieurs fois au Ah sort. oui. Donc quand c'est comme ça, bah c'est comme ça. Voilà, il On n'a pas fini. faut accepter. Voilà, faut accepter, c'est comme ça. Et comme je sais qu'il n'y a pas de hasard, que des fois ça se mélange, c'est des vies qui se croisent, des informations qui se croisent. C'est drôle comme ça peut impacter psychologiquement ceux qui écoutent aussi et les aider à avancer. Bah, si elle a été plusieurs fois tirée au sort, ça a certainement dû aider à chaque fois chacune de ses équipes. Peut-être que les équipes ont changé entre-temps. Voilà, c'est dingue. Il y a Gandalf Leblanc qui vous demande, peut-on être élève de Pascal si on n'a que des vies antérieures de pauvres paysans? Vous en savez rien? Non, mais ça n'a rien à voir. On peut être élève, peu importe qui on a été. Peu importe qui on a Généralement, été. c'est Non, pas qui non. on a été, mais Oh, bon, non, vous savez, vous tombez des je fois demande. sur des histoires de vie antérieure tout à fait classiques. Ah ben, c'est tout enfin, en général, c'est des vies antérieures. C'est compliqué parce que, par exemple, quand je recherche un moine qui a vécu à telle époque, etc. Eh ben, grâce au fait des fois que j'ai un nom de ville et donc ça permet aussi, par exemple, je vais citer cet exemple-là dans les effets de vie à l'autre, parce que eh ben, tiens, justement, c'est l'exemple parfait. Ça se passe aussi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle il y a quelques années, il s'en est passé des choses à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et en fait, on part déjeuner au bar de l'aéroport, et je suis avec un collègue, et à ce moment-là, j'entends, alors là, je ne pouvais surseoir à ce qui arrivait. Je lui dis, prends vite du papier à crayon. Et là, j'entends Chauvin, tu t'appelles Chauvin, j'entends la Touraine, nanani, nanana. Enfin, je donne plein d'informations.
sur une région, une ville, le nom du, enfin, l'initiale d'une ville. Et je décris la vie de cet homme qui a été curé à l'époque, à une date précise, au début du XXe siècle, etc., etc. Et avec les informations qu'il a, alors vous voyez déjà les circonstances dans lesquelles ça a été révélé, et donc avec les informations qu'il a, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va écrire au diocèse de Touraine, puisque ça se passe en Touraine. Le diocèse de Touraine nous renvoie un courrier en nous disant, voilà, trois personnes sont susceptibles de correspondre à votre recherche. Lequel est-ce? Moi, il me le soumet. J'ai dit, c'est celui-là. C'est cette époque-là, c'est celui-là. Donc, il réécrit au diocèse de Touraine. Et là, on nous renvoie des informations sur ce moine précisément, ce curé précisément. Et là, eh bien, tout va se mettre en place. Et tout va se corroborer magistralement bien. Et donc, on va se rendre dans cette ville de Touraine, hein, qui commence par la lettre M. On va se rendre dans ce village, en fait. Et là, dans ce village, on va rencontrer le curé. On va vivre des choses complètement incroyables parce que on avait préalablement appelé le curé en lui disant qu'on voudrait le rencontrer pour connaître la vie de cet homme. Oui. Et lorsqu'on arrive le jour dit devant le presbytère à côté de l'église, on sonne, et là il y a une fenêtre, il dit oui, c'est qui? Ah oui, attendez, j'arrive. Alors déjà, le gag, c'est qu'on entre dans le presbytère, il dit bon, alors le mariage, c'est pour quand? J'ai dit, attendez, mon père, il y a un problème, on ne vient pas du tout pour se marier, on vous a envoyé une lettre. Et en fait, on vient se. Ah, oh, il me dit, ça tombe mal, je suis en plein déménagement. Enfin, tout allait de travers. Mais du coup, croyant que nous étions les mariés, il nous fait entrer. Et là, on se retrouve dans un bazar de cartons. C'est vrai, il est en plein déménagement. Et là, je lui dis, mais enfin, vous le connaissez, ce curé, quand même, puisque vous nous avez dit que oui. Et il était complètement paumé, il ne savait plus. Et là, je vois un rayonnage avec plein de livres avant qu'ils soient emballés. Et je lui dis, écoutez, mon père, si vous acceptez, laissez-moi faire, je vais trouver sur mon honneur, Nora, des livres grands comme ça. Je me dirige vers le rayonnage. Le temps, j'en tire un au hasard. Je l'ouvre, je tombe sur l'année de décès de ce curé et l'extrait d'inhumation, sa messe et tout le bazar. Le curé me regarde en me disant, mais c'est qui celle-là? Et moi, j'ose lui dire, vous inquiétez pas, je vais trouver. Mais j'ai un culot monstre parfois, mais il y a des fois, heureusement, je réfléchis pas trop parce que sinon, j'oserais même pas le dire. Et là, je lui dis, est-ce que vous Sûr. pouviez nous faire une photocopie? Il dit, mais la machine ne marche pas. Et là, je lui dis, mais si elle va marcher, croyez bien qu'il l'éteint, il l'allume, elle fonctionne, je fais ma photocopie. Non, enfin, pour vous dire que ça va dans ce genre de détails, toujours est-il pour faire court. Écoutez bien les effets. Comment pouvait-il avoir oublié l'existence de ce curé qui n'avait eu 42 ans de vie dans ce lieu? C'est juste impossible. Eh bien, dans cette vie-ci, cet homme qui réincarne ce curé, un des premiers voyages qu'il va faire dans cette vie actuelle va être de prendre le bateau à Marseille pour passer par la Syrie et la Jordanie et aller en Terre Sainte. Eh bien, il va découvrir dans les archives que ce curé qui a vécu la première moitié du XXe siècle avait fait un vœu que s'il arrivait à récolter suffisamment d'argent pour par rapport à certaines choses, je ne l'ai plus en tête, pardonnez-moi, il ferait construire une statue de la Vierge et il partirait en Terre Sainte. Alors la statue de la Vierge, on peut la voir parce que quand on rentre dans le village, on voit que ça. Eh bien, le voyage qu'il a fait en Terre Sainte, il a pris le bateau à Marseille, il est passé par la Syrie et la Jordanie pour aller en Terre Sainte. Ça veut dire que cet homme qui vit actuellement a refait le voyage identique et dans les mêmes conditions. Il Alors a que fait pour deux quelqu'un fois. qui voyage en compagnie aérienne, le plus simple est quand même pour aller en Israël, c'est de prendre l'avion. Il va Oui. refaire le voyage dans les mêmes conditions. Donc, quand on parle des faits d'une vie passée sur une vie actuelle, c'est pour ça que quand quelqu'un vit quelque chose de fort, d'intense,
ou alors à une envie répressible de faire quelque chose, de te faire telle ou telle chose, ou de prendre une décision, parfois même de faire un voyage improbable, de bouleverser sa vie, de changer sa vie, pour plein de raisons. Ça a toujours du sens. Ça veut dire que il y a un aspect que je mets énormément en avant. D'abord, c'est la première chose que je mets en avant quand je parle de réincarnation, ce sont les répétitions de schémas. Et les répétitions de schémas, elles sont légion. Elles permettent de constater votre marge de progression, là où ça bloque, combien de temps ça a bloqué, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qu'il permet de débloquer. C'est magistral. C'est magistral. Et ces notions de répétition de schéma, qui peuvent être négatives comme positives, hein, parce qu'il y a des répétitions, on parle toujours de négatifs, mais il y a aussi des choses très positives, elles permettent aussi de comprendre l'évolution de l'âme. Et en ce sens, elles sont importantes à considérer. L'évolution de l'âme, oui, c'est intéressant parce que des fois j'avais vu sur le chat des personnes qui disaient oui, mais si on revient à chaque fois pour revivre la même chose, c'est un peu lourd de s'imaginer ça. Il y a Mais des faut pas le voir. subtilités, des différences, des. En fait, il faut pas le voir de cette sens-là. En fait, si je peux juste me permettre, en fait, c'est pas revenir pour vivre des choses lourdes. Si on le voit sous un autre prisme, c'est-à-dire on revient vivre des choses parce qu'on n'a pas compris certaines choses. Faut mieux D'accord. le voir comme ça. Alors, pourquoi je me permets de dire d'une vie à l'autre? Parce que au stade où j'en suis rendue, et je le fais déjà depuis quelques années, je ne révèle pas qu'une vie à mes élèves avec qui je travaille. Je révèle, à leur demande, plusieurs incarnations. Donc, pour certains, j'ai déjà un panel karmique intéressant et qui permet de comprendre des répétitions. Mais des fois, vous avez des trames, ce que j'appelle des fils rouges, qui permettent de mettre en avant, tiens, on revoit le côté artistique qui revient tout le temps. Tiens, là, par exemple, on voit le côté religieux qui ressort, le côté humanitaire, le côté engagement. C'est très intéressant. Mais ce n'est pas négatif. Oui. Or, on a l'intention, attention, il ne faut pas mettre le mot lourd derrière répétition de schéma. Ce n'est pas négatif une répétition de schéma. Ça permet de considérer des aspects de notre personnalité, de ce qui est important, de retravailler, d'explorer, peut-être de comprendre, de synthétiser. Vous voyez, ce n'est pas négatif une répétition de schéma. On a l'impression qu'on se dit, ah, on répète les mêmes bêtises, mais moi, je ne parle pas de répéter des bêtises. Au contraire, c'est de comprendre. Et dans une répétition, il y a aussi le principe de l'évolution de l'âme, de se comprendre soi-même. Il faut intégrer ça aussi également. Il faut enlever ce côté. En fait, vous savez, je vais vous dire une chose. On peut aller loin quand on a une vision globale des choses. Si on le garde que sur un certain angle, c'est lourd, c'est lourd. Non, ça ne peut pas être lourd quand on le voit comme je le vois. Parce que du coup, j'ai la vision globale des choses. Entre l'incarnation et les différents termes techniques que j'ai mis au point, avec l'entre-deux-vies qui va avec, parce qu'on doit le considérer. Donc, du coup, c'est pas lourd, c'est cohérent. Vous voyez? C'est clair. Non mais c'est vrai. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et en plus, on voit que par exemple, on avait vu une vie où justement le même métier revenait. C'est aussi un métier intéressant. Ou comme là, pour ce voyage, dans les mêmes conditions, ben, apparemment, il a tellement voulu faire ce voyage qu'il l'a fait non pas une fois, mais deux fois, dans les mêmes conditions. Donc c'était quelque chose qui avait dû lui plaire. Ça lui est resté. Ben, tiens, je vais refaire ce voyage. On voit des fois, j'avais partagé ça à une de nos modératrices, Marie, que j'embrasse fort, et j'avais partagé une image qui montrait un footballeur d'aujourd'hui, et quelqu'un a retrouvé une photo de quelqu'un qui est décédé longtemps avant lui, qui était aussi dans le sport, mais dans les voitures de course, mais c'était exactement la même tête. Donc physiquement, il y avait vraiment ce lien-là, des sportifs tous les deux. Alors, pour le coup, pas le même sport, mais ça reste du sport, que ce soit des courses de Oui, mais voiture ou peu du importe. football, mais on était voilà dans ce dépassement de soi. Et donc c'était assez fou de voir cette ressemblance. Est-ce que des fois, quand on voit souvent des gens qui partagent des photos d'eux-mêmes avec des tableaux, on voit vraiment le vrai visage, tout ça, si en plus ils Oui. font une petite introspection, ils peuvent se dire, ah, j'ai peut-être un lien de famille, ou peut-être que je suis cette personne, ou peut-être que je l'ai connue, en tout cas, je m'intéresse à ça, je lui ressemble. Alors après, alors moi j'ai eu la chance dans certaines enquêtes de retrouver des photos. Par exemple, j'ai parlé de Simonetta tout à l'heure. Quand vous regardez le portrait de Simonetta,
le portrait de cette personne qui vit maintenant et une Oui. révélation que j'ai faite entre les deux, j'ai trois visages identiques. Ah ouais. Trois visages identiques. C'est, écoutez, un jour je ferai une conférence, des émissions en montrant les visages, parce Ça que serait génial. c'est énorme avec l'accord des personnes, bien entendu, mais franchement, c'est hyper troublant. Et vous savez, je reviens sur Mathilde de Toscane, Oui. cette enquête qui exceptionnellement parle d'une de mes vies antérieures. Sur différentes enquêtes, et notamment en Italie, je me rappelle quand je vais enquêter, c'est en 2015, je suis à San Benedetto Pau, au monastère, très important parce que c'est un fief familial, hein. Son grand-père Théobaldo, son père Boniface et elle Mathilde. C'est lui, son grand-père Théobaldo, qui est à l'origine de la construction, Boniface, et elle va aussi l'agrandir, son père ensuite, et elle va l'agrandir. Eh bien, ce jour-là, lorsque j'arrive à San Benedetto, on se dirige avec l'équipe vers une espèce de petit syndicat d'initiative pour acheter nos places face au monastère. Et là, la femme nous dit, mais c'est fermé aujourd'hui. Parce qu'il y avait une... Alors, j'apprends la veille du départ en Italie qu'on fêtait les 900 ans d'amour de Mathilde en 2015. Et je ne le savais pas. Je me dis, mais c'est dingue en termes de synchronicité. J'ai programmé un voyage, et plus particulièrement sur ces lieux précis, l'anniversaire des 900 ans de sa mort. Pour l'occasion, des lieux étaient ouverts dans le monastère, sauf que le jour où j'y étais, il était fermé. Mais il réouvrait le lendemain, il fermait 2 jours plus tard. Et en fait, la personne qui nous accueille, devant notre insistance et mon désespoir, il va se passer une magie absolue, elle va appeler quelqu'un. Ce qui était impossible le quart d'heure d'avant, le devient le quart d'heure d'après, elle nous dit soyez à 14h devant le presbytère. Autant vous dire que je n'ai pas pu manger, déjeuner. À 14h, l'équipe est devant le monastère, et là, un homme d'église sort et me dit que ce n'est pas lui qui fera la visite, mais une femme. Et là, à ce moment-là, il ouvre le bras et il dit, regardez, elle arrive, c'est elle. Une femme qui ne travaillait pas, fait 60 km pour venir faire visiter un monastère à des gens qu'elle ne connaît pas. Oui, Cette c'est femme fort. arrive, l'homme d'église lui remet un immense trousseau de clés, c'est des grandes clés comme à la Harry Potter, et là, elle va ouvrir la porte du monastère qui est juste immense, elle le refermera derrière nous, là, on se dit, on vit un truc incroyable, au bout d'une heure et demie de visite, alors que je suis devant le cénotaphe de Mathilda, je demande au groupe s'ils peuvent me prendre en photo. Donc, je me mets devant le cénotaphe, ils prennent des photos, et là, cette femme qui, pendant une heure et demie, a fait un effort colossal pour me parler en français et me regardait droit dans les yeux, me dit, mais c'est vous, vous êtes Mathilda, vous êtes revenue à la vita, c'est vous, c'est vous. Alors, je demande à la personne, je dis, mais pourquoi vous dites ça? Elle me dit, parce qu'il n'y a qu'à vous regarder. Vous avez le même physique, la même tête, la même élégance, la même ci, la même... Bref, bref. Mais Mathilde a quand même vécu au XIe siècle. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que ce que je dégageais, a parlé à son âme, à son inconscient. Et là, je lui ai demandé, mais on a une discussion, mais vous avez déjà dit ça à quelqu'un, est-ce que... Mais pas du tout, elle était même très vexée que je puisse contester ce qu'elle dit. Et nous repartirons parce que le monastère était immense et on arrive par des dédales qu'elle seule connaissait. Et elle m'explique que dans une partie du monastère, c'était une école primaire et que quand elle était petite, elle allait à cette école et que Mathilde faisait partie de sa vie depuis qu'elle était jeune. Et elle va m'emmener à un endroit où tout était fermé, hein, mais par des couloirs secrets, à l'entrée d'un ce qui est un musée du monastère. Et là, elle me demande de tendre la main. Et elle me met une grenade dans la main. Alors le grenade est un symbole, la grenade est un symbole chrétien. Et c'est le symbole de Mathilde. C'est le symbole de Mathilde de Toscane. Et là, il va se passer une scène inouïe que je raconte dans mon livre, qui me relie à cette femme et à cette âme qui était liée à Mathilde de Toscane. Donc, Nora, ce que je suis en train de dire, c'est que ce jour-là, tout était fermé. Ce curé, elle l'a appelée. Elle ne savait pas qui c'était, mais elle a fait 60 km. Son inconscient était guidé.
Et ça ne l'a pas trompée, puisqu'elle va me le dire. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. Et le lendemain, alors que je suis sur un piton rocheux, le château d'Icanossa, qui est un des fiefs de la famille de Mathilde de Canossa, de Toscane, alors que j'arrive à ce château, j'achète les billets, et la personne qui m'accueille à l'entrée, je la trouve très aimable et émue. Je me suis dit, bon, peut-être que je ressemble à quelqu'un qu'elle connaît. Et là, je prends le chemin qui mène au château, parce que toute une partie est en ruine, mais il y a une partie qui est reconstituée. Et bien là, le guide me voit, demande les billets. Je lève la main, je dis, c'est moi qui ai les billets. Donc, je les cherche dans mon sac. Il me fait, non, madame, c'est pas la peine. Je dis, vous êtes sûre? Non, c'est pas la peine. Nous entrons dans la petite partie reconstituée. Et là, il me regarde. Il me regarde. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là? Je dis, parce que je m'intéresse à l'histoire, l'époque de Mathilde de Canossa. Et là, il regarde le groupe et la scène est filmée. Mais c'est vous êtes Mathilde de Canossa. Et ça recommence. Et ça recommence. Wow. Et là, il va se passer des événements forts. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que ça va être beaucoup trop long. Mais pour vous dire que ce que vous êtes, quand c'est juste, vous savez, je dis toujours une chose. Quand l'acte est juste, les portes s'ouvrent. Et les portes se sont ouvertes magistralement. Et quand je suis partie, la jeune femme à l'entrée auprès de qui j'ai acheté les billets m'a fait une révérence et m'a dit « Belladonna, arrivederci, Belladonna oh ». Et elle m'a salué. Là, on se dit wow, « Waouh, on est dans une autre dimension là ». Voilà, et je crois que je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Oui, on va s'arrêter là. Il y a Isabelle qui nous dit « Je suis scotchée, je dois me lever à 4 heures ». Tant pis, je serai là jusqu'à la fin. Écoute Isabelle, on va s'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Et vraiment, merci, merci les amis. Merci pour votre présence de A à Z pendant cette émission. Merci pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Merci Pascal. Et on a eu très peu de mots ce soir, même sur le chat j'ai vu, parce qu'on était tous en état de sidération ce soir. C'est-à-dire que vous nous avez embarqués dans vos voyages, dans vos exemples. Bien sûr, il y en a plein, plein d'autres. J'ai juste envie de dire, les amis, voilà, vous détendez-vous, profitez de cette émission, partagez-la si elle vous a plu, si elle vous a fait du bien, et j'espère que c'est le cas parce que moi j'ai été encore hors du temps et ça fait du bien, comme vous l'avez dit en début d'émission, surtout ces temps-ci, d'avoir des petites bouées d'oxygène pour le cerveau, de rêver, de passer une belle soirée, de se découvrir au travers des histoires que vous nous racontez sur les élèves qui vous accompagnent et sur vous-même. On se découvre aussi, nous, on se dit, tiens, nous, peut-être qu'on fait plus attention à nos envies profondes, ce qui nous suit, ce qu'on a l'impression d'avoir, ce avec quoi on a joué petit et qu'on garde un peu comme une passion adulte. On se dit, tiens, je vais peut-être me pencher un petit peu plus dessus et peut-être assumer cette passion, aller plus en plus loin là-dedans. Et en confiance, mais voilà, ça nous fait du bien. On prend aussi des leçons de ces exemples-là, donc c'est pas un hasard finalement, c'est un petit cercle qui travaille comme ça autour de vous, et vous en même temps, vous partagez toutes ces informations à énormément d'internautes, notamment ce soir. Merci d'être en ligne avec nous pour ce live. Et je vais m'arrêter là, je vais juste vous dire, parce que moi je le sais, et j'ai toujours envie, les amis, que vous soyez frustrés en même temps que moi, quand ça m'arrive, on partage tout. Donc il y a une super émission qui va arriver en compagnie de Pascal, et on va parler donc de l'avenir de notre planète. Je vous dis juste ça. Mais moi je le sais. Je sais que bah, c'est une très belle émission d'ailleurs pour commencer, débuter l'année à venir. Donc on verra janvier, février, tout ça, quand est-ce qu'on va caler la date. On connaît la thématique, on sait qu'on va se retrouver, il ne nous reste plus qu'à caler la date, les amis. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai noté donc pour ce soir, l'entre-deux-vies révélées, on va revenir sur votre ouvrage, on va le refaire vivre, voilà. on recommence le cycle de ce livre parce que nous on ne le connaît pas sur Nuria TV. Et l'entre-deux-vies, c'est une question qui est revenue sur énormément d'émissions. Quand on parle justement de la vie après la mort, on se demande toujours, mais qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux-vies? Vu les détails que vous avez sur la vie, les vies passées, peut-être que vous avez certainement eu d'autres détails dont on n'a pas connaissance sur cet entre-deux-vies. Oui, en fait, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que en parapsychologie, je n'étudie pas que la réincarnation. Il y a plein d'autres domaines dont je n'ai pas encore parlé. Mais l'entre-deux-vies, ce livre, c'est 20 ans d'expérience, étape par étape, de l'évolution de l'âme, du moment où l'âme est décédée au moment où elle se réincarne. C'est 20 ans, 25 ans de travail, voilà. 25 ans. Et d'expérience. Et d'expérience surtout, les expériences incroyables. Alors,
Allegria qui nous dit, je trouve passionnant, je vous trouve passionnante, j'ai très envie d'étudier avec vous. Il m'est arrivé des faits très étranges tels que ceux que vous racontez. Très belle découverte, gratitude. Voilà, Allegria, très joli prénom. Tu as donc le lien sous la vidéo donc, du site officiel de Pascal Lafargue. N'hésitez pas, que ce soit sur le site nurea.tv comme sur la chaîne YouTube. Vous avez à chaque fois le lien en barre d'infos sur la chaîne YouTube et sous la vidéo sur le site internet. Donc vraiment, allez-y. Et voilà, et vous nous avez promis, Pascal, que s'il y a beaucoup de monde, à ce moment-là, vous allez vérifier donc, voilà, les dates de formation, en rajouter peut-être quelques-unes. On verra, oui, on verra. Si vraiment il y avait une grosse demande, peut-être j'ouvrirai une deuxième session de première année. Mais c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé de ça sur Nuria TV à chaque fois. Je savais que c'était un groupe d'élèves. Je me posais la question. J'étais très contente que oui. Les Nuriens posent la question plusieurs fois ce soir parce que du coup, je l'ai posée. Et en fait, ouais, on peut s'inscrire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je prends très peu de monde par groupe. Hein. Voilà, très on peu de monde. On tente sa chance, voilà. On laisse faire le hasard. Si voilà, le notre absolument. moment sera toujours le bon moment pour nous. Absolument. Et puis, on est dans un... Alors, à chaque fois, on se dit un mot de conclusion, mais je rajoute, on est dans une période, il faut vite s'ouvrir, il faut vite s'élever, c'est important. Très important, voilà. Merci beaucoup, merci. Et vous avez bien moi, sûr merci. Les liens pour les livres de Pascal Lafargue, parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Vous allez sur le site nurea.tv, sous la vidéo, vous avez les liens pour accéder à l'achat des livres, ça, vous allez voyager. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Pascal, je sais que tu n'as pas pu voir tous les commentaires ce soir, mais c'était génial. Mais là, il y a une nouvelle option sur Nurea que tu ne connais pas, c'est que je peux afficher certains commentaires à l'écran et j'en ai pris plein pendant la soirée. Donc si tu revisionnes la vidéo, tu vas pouvoir voir les commentaires des Nuréens. D'accord, très bien. Merci beaucoup, merci Pascal. Merci Nora et à tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. N'oubliez pas, garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao.